السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فحياكم الله عز وجل وبياكم. Ce soir nous sommes inshallah ta'ala mercredi 18 Jumada Thani 1446, c'est-à-dire le 4 juillet 2007. Nous sommes inshallah au troisième cours des règles du mariage en islam. Et on va, comme d'habitude, faire très vite une révision, inshallah ta'ala. Nous avons commencé à 22h10, inshallah ta'ala. On arrêtera, bi'idhni ta'ala, à 22h15. On avait dit que le cheikh, rahimahullah, al-Hajjawi, qui a écrit le metn lui-même, a été expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. الشيخ الحجاوي عليه رحمة الله dit que يعني on parle du mariage que c'est une sunna. Ensuite il est passé aux qualités refuses, qualités refuses dans la précédente. Il a dit premièrement, parlons général d'abord, il a dit premièrement c'est de la sunna de n'épouser qu'une seule. On avait assez parlé de cela, alhamdulillah. Deuxièmement, il a dit quant aux qualités requises pour la prétendance, qu'elle soit d'abord bénigne, qu'elle soit religieuse. Non, on avait dit que la religieuse, alhamdulillah, et le religieux, alhamdulillah, premièrement, ils ont des affinités, si quelqu'un se marie, il est religieux, pieux. Il se marie à cause de la religieuse, la vertueuse, ça va marcher, bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala, disons jusqu'à 95%. Non. C'est impossible que ça soit parfait à 100%. C'est impossible. Oumar Abdillah, n'oublie pas le numéro 1. C'est impossible que ça soit parfait à 100%. Pourquoi? Parce que on n'est pas des anges. On n'est pas des anges. Mais, alhamdoulilah, à 90%, 95%, ça va marcher. On a les mêmes concepts. On a les mêmes concepts, les mêmes idées. On est basé sur le Coran et la Sunna. Et la compréhension des pieux prédécesseurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on revient vite à qui? On revient au Coran et à la Sunna. Ce sont eux qui jugent où, yani, lequel des deux nous s'est trompé avec, et lequel des deux nous a raison. Mais si quelqu'un se marie avec une non-religieuse, ou bien elle se marie avec quelqu'un qui est loin de la religion, il n'y a rien qui peut les juger entre eux. Parce que lui, il n'accepte pas que ce soit le Coran et la Sunna, ou bien c'est elle qui n'accepte pas, ça n'en finira jamais. Non. Vous remarquez que tous les problèmes qui sont maintenant entre, par exemple, les frères et les sœurs, c'est pourquoi? Parce que l'un des deux a dévié, l'un des deux a faibli, l'un des deux a régressé. Non. Maintenant, c'est difficile qu'il accepte, ou bien lui, ou bien elle qui a faibli, qui accepte de revenir au Coran et à la Sunna. Et n'oubliez pas ce qu'a dit Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand la femme se marie avec quelqu'un qui est pieux, s'il l'aime, il la gâtera, il va la gâter. S'il la déteste, il ne va pas lui faire du tort. Non, il ne va pas la léser. Vous voyez la différence? Yani, s'il l'aime, il va la gâter, elle sera gâtée. S'il ne l'aime pas, il est possible qu'il ne l'aime pas. Il est possible qu'il ne l'aime pas, que le, yani, physiquement, elle ne lui plaise pas. C'est possible. Donc, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Il ne va pas lui faire du tort. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur du Rahman, subhanahu wa ta'ala. Naam.
Il a peur, il sait que celui qui fait le tort, demain, qu'est-ce qui va lui arriver quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'avantage de celui qui est marié aussi avec une pieuse, c'est qu'il n'a pas peur quand il est absent. Quand il est absent, il n'a pas peur qu'elle fasse rentrer un homme à la maison ou bien qu'elle fasse des choses. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas peur de son mari, mais elle a peur de Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'observe. Mais celle qui n'a peur que de son mari, dès qu'il est absent, dès qu'il ne peut pas la surveiller, dès qu'il ne peut pas savoir ce qu'elle est en train de faire, elle risque de faire des choses. Et troisièmement, il a dit, Ajnabiya, il a dit, de préférence, on se marie avec quelqu'un qui est loin de la famille. On ne se marie pas avec le cousin, le proche. Et il a dit pourquoi? Parce qu'il a dit, quand il se marie avec une étrangère, ou bien elle, avec un étranger, l'enfant, Inch'Allah Ta'ala, va puiser de deux sources. Il puise du côté des oncles et il puise du côté de son père. Ce qui fait qu'il sera Najib, il sera, Mash'Allah, un prodige. Il a puisé de deux sources, bi'ilna Subhanahu wa Ta'ala. Mais on avait dit que, mais si sa cousine, par exemple, ou là son cousin, remplissent les conditions, et celle qui est étrangère ne remplit pas les conditions, dans ce cas, on commence par la cousine. On commence par la cousine à cause de quoi? À cause de, elle remplit la condition, par exemple, de la religion, par exemple. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, il a dit bik. Bik. Bik, c'est-à-dire vierge, qui ne sait pas encore mariée. Et, pardon, avant que j'oublie aussi. Quand il a parlé de étrangère, il a dit que des qualités aussi de l'étrangère, c'est quand on se marie avec une étrangère qui n'est pas une cousine, qui n'est pas de la famille, si jamais il y a une mésentente entre les deux, ça ne va pas engendrer la coupure des relations avec la famille. Car si c'est ma cousine, maintenant ça ne marche pas entre moi et elle, maintenant c'est toute sa famille et ma famille qui vont se couper. Et il va y avoir rupture entre deux familles. Alors que si c'était une étrangère, il n'y a rien. On divorce et ça s'arrête là. Mais maintenant, si je divorce ma cousine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ma famille, toute sa famille à elle, ne va plus avoir de relation avec ma famille. Et j'aurais été la cause de quoi? De la rupture des liens de ma famille. Ensuite, il a dit vierge, c'est-à-dire qui ne sait pas encore marié. De préférence, on cherche quand on veut se marier, surtout si on ne s'est pas encore marié, on cherche celle qui ne s'est pas encore mariée. Pourquoi? Parce que elle sera très attachée. Elle sera très attachée à son premier époux. Car c'est lui le premier avec lequel elle va, faire des rapports, etc. Donc, elle sera très attachée à ce premier. Ce sera le premier qui va se permettre cette chose dans le halal. Donc, elle ne l'oubliera jamais. Et puis, on avait cité le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rencontré Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, est-ce que tu t'es marié? Il a dit oui. Il lui a dit, tu t'es marié avec une vierge ou une femme déjà mariée? Il a dit déjà marié. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas choisi une vierge? Tu l'as fait jouer, elle te fait jouer. Tu l'as fait rire, elle te fait rire. Il lui a expliqué pourquoi. Il lui a donné ses raisons pourquoi il n'avait pas épousé une vierge. Donc, c'est ici que je veux dire, parfois, il est préférable d'épouser une femme qui s'est déjà mariée, qui n'est pas vierge. Pourquoi? Comme c'est dans le cas de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu. Qu'a-t-il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a dit, pourquoi tu n'as pas épousé une vierge? Il lui a dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, mon père est mort, il m'a laissé 9 filles. Dans une autre version, 6. Il a dit, elles sont toutes jeunes. Alors, je n'ai pas voulu que je le ramène à la maison une jeune comme elle, qui ne sait ni cuisiner. Il lui a dit qu'il n'a rien dans la main, c'est-à-dire qu'il ne sait ni cuisiner. Il a dit, mais j'ai préféré le ramener
une femme déjà mariée pour les yani pour le comment on dit des cheveux. C'est pas peindre les cheveux, comment on dit Tamshat, elle a dit pour Tumashietohuna wa Tukumuhuna. Elle a dit pour yani qu'elle peigne leurs cheveux, brosse et peigne leurs cheveux, et ainsi que yani elle fasse le nécessaire avec elle. Ici, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit barakallahu fik ou quelque chose en ce sens. Donc ici, les savants ont dit, regardez, hein, il va pas, il a 6 ou 7 filles qui sont jeunes, il va pas leur ramener une autre jeune fille de 16 ans ou de 17 ans. Il n'y aura jamais d'autorité dans la maison. Mais il a ramené une femme assez âgée, mariée auparavant, etc. Même si elle n'est pas âgée, mais déjà mariée, qui a de l'expérience. Elle sera plus ou moins autoritaire dans la maison. J'avais dit que certains ont pris de ce hadith que quoi? Que donc il est possible que la femme yani aide la famille de son mari. Car ici, Qadi Jabir ibn Abdillah, il a dit, j'ai ramené cette femme pour qu'elle aide mes sœurs, pour qu'elle les aide, elle les peigne, et elle les travaille, etc. Donc, mais ce n'est pas obligé. C'est tout juste si elle veut avoir quoi? Des hasanat. Naam. Sinon, ce n'est pas obligé. Elle dit non, moi je ne suis pas mariée pour les sœurs, ou ton père, ou je me suis mariée avec toi. Mais maintenant, si je veux, fis abillah, pour avoir des hasanat. Mais personne ne peut m'obliger à faire une chose pareille. Naam. Maintenant, si lui, il fait ça comme condition de mariage, et elle accepte, c'est trop tard. Il dit, dans mes conditions, que tu vives avec mes parents et que tu les travailles. Le matin au soir, tu fais tout ce qu'ils te demandent. Naam. Si elle accepte, elle ne peut pas revenir en arrière et revenir marche arrière parce qu'elle a signé, même verbalement, elle a signé un pacte. Ce n'était pas obligé et elle l'a rendu obligatoire. Naam. Tayyib. Ensuite, il a dit, cinquième condition, il a dit, Weloud. Weloud. C'est-à-dire féconde. De préférence, quand on se marie avec une femme, on cherche la féconde. On cherche celle qui est prolifique et féconde. Naam. Et comment savoir qu'elle est prolifique et féconde alors qu'on va se marier avec une vierge qui n'a jamais enfanté? Les ulama ont dit, c'est simple, on regarde sa famille la plus proche. On regarde ses sœurs. Est-ce que les sœurs de la nouvelle mariée ont des enfants? On regarde sa mère aussi. On regarde ses cousines les plus proches, ses tantes. Naam. Car c'est en principe héréditaire. Bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Sauf exception. Mais en général, c'est héréditaire. C'est comme ça. Si maintenant ses sœurs ont des enfants, etc., bi'idhnillah, qu'elle aura elle aussi des enfants. Mais des fois, ça tarde. Naam. Des fois, moi je connais une femme dans la famille, elle est restée 7 ans pour avoir le premier enfant. Mais certains ne patientent pas, subhanallah al-azim, ne patientent pas. Une année, s'ils n'ont pas l'enfant, ils peuvent même divorcer. Une année. Alors que des gens ont eu des enfants après 7 ans et après 10 ans de mariage. Ils ont eu le premier enfant, bi'idhnillah ta'ala, à force de faire des du'as, et de chercher yani, comment bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala essayer de se soigner. Comment bi'idhnillah ta'ala essayer de se soigner pour voir où est le mal. Est-ce qu'il est la maladie, est-ce qu'elle est chez l'homme ou bien elle est chez la femme? Naam. Tayyib, quand on avait dit Weloud, naam, on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah. Dans une autre version, fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Naam. Tazawwaju, mariez-vous avec l'ouadoud, l'aimante, celle qui aime, naam, l'ouadoud, la féconde, la prolifique. Fa inni mukathirun bikum wa mufakhir, c'est-à-dire, le jour du jugement dernier, je dirai comme ça aux nations et aux messagers. Je leur dirai avec fierté, c'est moi qui ai le plus grand nombre parmi toutes les nations.
Donc toi, si tu veux la fierté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, essaye d'avoir bi'idhnillahi ta'ala beaucoup d'enfants. Naam. Et le cheikh a dit, لكن مع الأسف أن بعض الناس الآن يختاروا المرأة التي يمكن أن تكون عاقمة. Il a dit, mais يعني c'est vraiment désolant que de nos jours, les gens ou bien certains cherchent la femme stérile. Subhanallah l'azim. Quand il va demander la main d'une femme, il cherche d'abord si elle est stérile. Première condition. Subhanallah l'azim. Ça va يعني à l'opposé du souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'encontre de son hadith. Non, à l'encontre. Donc, il cherche celui-là si elle est stérile. Si c'est une femme qui donne des enfants, ça ne l'intéresse pas. Il dit non, elle ne m'intéresse pas. فَهِيَ أَحَبُّ إِلِهِ مِنْ وَدُودِ Il la préfère à celle qui est féconde. وَيُحَوِلُونَ أَنْ لَا تَلِدَ نِسَاءُمْ إِلَّا بَعْدَ ثَلَثَ أَوْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ زَوَاجٍ وَمَشْبَهَ ذَلِكَ Et ils veulent que leurs femmes, leurs épouses, n'enfante qu'après 3 années ou 4 années de mariage. Naam, il ne veut pas la première année avoir d'enfant. Déjà, il a un faux départ. Il a un départ où il n'a pas confiance en Allah Azza wa Jal. Naam. Et déjà, le fait de ne pas vouloir le bébé la première année, c'est déjà qu'il y a du louche. Il y a du louche dans celui qui n'a pas voulu. Si c'est l'homme, ça veut dire donc qu'il n'est pas très, très, très yani sûr qu'il va rester avec cette femme. D'ailleurs, il ne veut pas un bébé d'elle maintenant. Alors, attendez, il va rester 2 ans, 3 ans, puis il va voir s'il continue avec elle. Non. Et elle aussi. Déjà, elle ne veut pas le bébé à la première année. Déjà, peut-être qu'elle pense, ah, peut-être, si ça ne marche pas, elle se sépare. Non. Déjà, il y a du louche dans l'affaire. Ça, c'est le début. Deuxièmement, il n'y a pas la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il n'y a pas la confiance. J'ai peur. Si chaque année, j'ai un bébé, comment yani, ça va se passer, donc j'ai peur. Donc je ne commence pas par les bébés. Allez, 2, 3, 4 années, après on va voir. Inch'Allah ta'ala, naam. Il a dit, وَهَذَا خَطَى Et ça, c'est faux, bien sûr. لِنَّوْ خِلَفْ مُرَدِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم Parce que ça va à l'encontre de ce qu'a demandé le prophète, صلى الله عليه وسلم. Ensuite, il a dit, certains disent, on n'a pas d'argent. Et bien sûr, il a réfuté cela. Et certains disent, quoi disent, on voudrait que notre femme reste jeune. Moi, je voudrais que mon épouse reste jeune, et car à force d'accoucher, à force d'allaiter aussi le bébé, elle commence yani, à avoir des rides, et aussi sa poitrine commence à tomber, etc. Donc, je préfère ne pas avoir d'enfant pour garder ma femme, mon épouse toujours jeune. Qu'a dit Cheikh Larmo ? Il a dit, certes, c'est un but. Disons, c'est une raison. C'est une raison assez plausible, le fait que quelqu'un veuille que sa femme reste toujours jeune, c'est une raison assez plausible, mais avoir beaucoup d'enfants est mieux. Avoir beaucoup d'enfants est mieux que cette idée que tu viens de te tracer, ou de ce but. Non. Il a dit, certains disent, je veux organiser des naissances, il a dit, ceci est permis, car l'isolement, l'azl, il a été fait au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam, l'azl, c'est quoi? Je l'ai expliqué déjà une fois, autrefois, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas la pilule, mais quand l'homme faisait le rapport avec la femme, juste où il allait jeter son liquide, au lieu de le jeter à l'intérieur, il le gère, ça s'appelle l'isolement, le retrait. Naam, le retrait, ça veut dire, juste au moment où son liquide allait descendre, yani, il fait un retrait et laisse son liquide, pas à l'intérieur de la femme, comme ça, pour qu'elle ne soit pas enceinte. Et maintenant, de nos jours, qu'est-ce qu'il y a? Il y a par exemple la pilule. Naam. Et la pilule, j'avais dit que, bi-idhnillahi ta'ala, c'est possible qu'une femme prenne la pilule avec quelques conditions. La première, pas en cachette de son mari. Il faut que les deux soient d'accord. Non, car certaines femmes, mal asf, elle la prend en cachette de son mari. Et ça, c'est haram. Il faut que ça soit avec son avis. Et la deuxième, il faut qu'il y ait l'avis du médecin. Non, car elle peut prendre une pilule
qui risque de lui faire mal. Il y a des degrés dans les pilules, des degrés. C'est le médecin, quand je dis le médecin, c'est le médecin femme. C'est le médecin femme qui décide. Décide à la femme quel genre de pilule lui donner. Troisièmement, il ne faut pas que ça soit à cause de la peur du gynécologue. Naam, c'est le gynécologue qui décide. Troisièmement, il ne faut pas que ça soit à cause de la peur. De la peur de quoi? De la pauvreté. Hein? Certains disent, j'ai peur si je vais avoir beaucoup d'enfants, la paye ne suffit pas. Ça, c'est grave, c'est un peu grave. Naam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le crée, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es rien. Toi, tu fais seulement quelque chose, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée. Et Allah ta'ala a promis que مَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a aucune créature sur terre qui bouge sans qu'elle n'ait ses biens. Il n'y a pas. Non. Et beaucoup de gens se sont mariés, ils étaient pauvres. Lorsqu'ils se sont mariés, ils se sont enrichis, بِإِذْنَ عَزَّ وَجَلَّ. C'est-à-dire plus précisément lorsqu'ils ont eu des enfants. Lorsqu'ils ont eu des enfants, ils sont devenus, masha'Allah, riches, alors qu'ils étaient pauvres lorsqu'ils n'avaient pas d'enfants. Naam. Et une autre condition, la quatrième condition, c'est quoi? Il ne faudrait pas que cela soit pour de bon. Mais il faudrait que cela soit momentané. Elle prend la pilule pour 2, 3, 4, 5 ans. Comme ça, c'est momentané. Si elle a un enfant, si c'est possible la pilule, quelques années et comme ça. Ce n'est pas prendre la pilule yani, pour de bon jusqu'à ce qu'elle yani, devienne vieille. Naam, quant au dars d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, déjà on a pris une demi-heure seulement dans la révision. Mais je préfère réviser pour que yani, ça s'ancre, pour que les informations yani, soient bien ancrées dans le cœur bi'idhna azza wa jal, et pour que yani, il n'y ait pas d'ambiguïté. Naam, j'avais oublié la sixième, avant de commencer le nouveau dars, j'avais oublié la sixième, il a dit bila om. Il a dit de préférence, naam, de préférence que yani, la nouvelle mariée n'est pas de mère, qu'elle soit orpheline de mère. Et Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, n'a pas accepté cette chose, car ils ont dit quoi? Pourquoi de préférence orpheline? Ils ont dit car sa mère à elle risque de la gâcher. Hein? Elle lui remplit sa tête, etc. jusqu'à ce que elle la fasse divorcer indirectement. Naam. Ibn Uthaymin al-Rahmou a dit, cela n'est pas vrai. Car si c'était vrai, alors on demanderait aussi à la fille qu'elle demande que le mari soit orphelin. Naam. Elle dit, je me marie moi aussi avec un époux orphelin de mère. Car sa mère va le remplir et va lui mettre des grabuches dans sa tête, ensuite il va me divorcer. Donc il a dit, cette condition n'est pas vraie. Mais la vraie condition, c'est de dire quoi? C'est de dire, au lieu de dire orpheline de mère, mais de dire de mère pieuse. De mère pieuse. Ou bien de mère vertueuse. Naam. Se marier avec une femme, masha'Allah, qui a une mère vertueuse et pieuse, qui passe ses journées à faire le jeûne, et masha'Allah, à faire le tisbih, subhanallah, alhamdoulilah. C'est-à-dire qui aime les mosquées, qui aime les doros, hein? Quand son gendre va chez elle, elle lui dit, fais-nous un rappel, rappelle-nous ceci, parle-nous un peu. Ça, c'est vraiment un mariage. Naam. Mais des fois, la sœur, la femme, remplit toutes les conditions. Ensuite, c'est sa mère qui n'est pas bien. C'est sa mère. C'est sa mère qui n'est pas bien. Or, est-ce qu'il y a une entrave pour que donc elle ne se marie pas et elle soit isolée à cause de sa mère? Ce n'est pas une entrave. Car si elle remplit les conditions, elle doit être mariée. Et son époux voit comment faire avec sa mère pour ne pas trop être tout le temps avec elle, pour essayer d'éviter les problèmes, etc. Mais si on avait à choisir entre une femme qui a une mère vertueuse et une femme dont sa mère n'est pas bien, ou elle est perverse, ou elle est, l'autre, bien sûr, la première, serait la conseillée. C'est normal. Et la même chose pour le mari. Le mari, la femme se marie avec quelqu'un
il a une mère, masha'Allah, et un père, masha'Allah. Mais des fois, elle se marie avec un mari qui a yani, des parents vraiment yani, difficiles. Vraiment difficiles. Ce sera alors une épreuve pour elle. Une épreuve pour elle. Comme a dit Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ أَتَصْبِرُونَ. Et ainsi, on a fait de vous, les uns contre les autres, des épreuves et des tests. أَتَصْبِرُونَ. Allez-vous endurer? Qu'est-ce que tu fais? Lui, il remplit les conditions. Et ses parents ne la remplissent pas. Des fois, on est entre l'enfer et l'enclume. Pardon, entre le marteau et l'enclume. Ou bien je me marie avec celui-là, mais voilà comment c'est sans ses parents, ou bien j'ai peur de ne pas me marier. Donc il vaut mieux se marier avec celui-là et éviter yani, au maximum les problèmes. Éviter au maximum les problèmes. Ensuite, le nouveau dars. Ici, bi'idna ta'ala, commence le nouveau dars. Il a dit, وَلَهُ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا مِرَارًا بِلَا خَلْوَةً وَلَهُ نَظَرُ ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. C'est-à-dire que il peut, il lui est permis de voir, il parle maintenant de l'homme, il parle de qui? Il parle du prétendant. Qu'est-ce qui lui est permis de voir de la femme? Qu'est-ce qui ne lui est pas permis lorsqu'il va pour la muqabala? Il lui est permis de voir ce qui apparaît de coutume plusieurs fois et sans être en tête à tête avec elle. Naam. Walahu nazar, lui est permis de voir, ma yadharu ghaliban, ce qui apparaît de coutume, plusieurs fois, miraran, et sans être tête à tête avec elle. On va expliquer ces choses, bi'idhnillahi azza wa jal. Le Cheikh la rahmu a dit, yasunnu liman arada an yakhtuba mra'atan an yanzura ila ma yadharu ghaliban. Il a dit, il est permis, il est de la sunna, pour celui qui veut demander la main d'une femme naam, de voir ce qui apparaît de coutume. De voir ce qui apparaît de coutume, yani, naam, par coutume. Tayyib, il a dit ici, naam, une seconde, inshallah ta'ala, il a dit, où est-ce que je vais trouver cette chose, tayyib. Ça va venir, inshallah ta'ala. Il a dit, illa idha alima al-insanu bi sifatiha biduni nazar, fala hajata, kama law arsala imra'atan yathiqu biha tamaman, fa innahu la hajata ila an yanzar. Il a dit, puisque l'imam al-Hajjawi, alayhi rahmatullah, a dit, il lui est permis de voir ce qui apparaît de coutume, ce qui apparaît de la femme. Donc quand quelqu'un va faire la muqabala, il peut voir de la femme ce qui apparaît de coutume. Le Cheikh ici a dit, quand on a dit qu'il lui est permis de voir, il a dit, sauf s'il la connaît. S'il la connaît bien, la fille, s'il la connaît bien, il connaît bien yani, son physique, il a dit, c'est pas la peine alors. Alors pourquoi faire la muqabala dans ce cas? Il a dit, comme si par exemple, il a envoyé une femme, qui est fiable bien sûr, et qui lui a bien décrite. Naam. Des fois, quelqu'un, par exemple, se marie avec sa cousine. Sa cousine, il la connaît depuis qu'elle avait 5 ans. Et il la voit tout le temps et elle habite juste en face. Celui-là, pourquoi il va faire la muqabala? À quoi ça sert qu'il fasse la muqabala? Il l'a vu des centaines de fois, cette cousine, des milliers de fois. Naam. Il a dit la même chose. Maintenant, si j'en vois, par exemple, ma mère, si je l'envoie, elle va la voir et quand elle revient, elle me la décrit. Elle me dit qu'elle est blanche de peau, elle fait à peu près par exemple 1m65, elle a les cheveux noirs, elle a ceci. Il a dit ici, c'est pas la peine qu'il aille la voir. Bien sûr, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Mais attendez ce qui va venir. Il a dit, عَلَى أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَظَرُ الْغَيْرِ لَا يُغْنِي عَنْ نَظَرِ النَّفْسِ. Il a dit, quoique en vérité, le fait qu'une autre personne voit à la place d'une autre, à la place du prétendant, et la lui décrive, il a dit, ça ne remplace pas, yani, la vision,
ça ne remplace pas la vue du prétendant. Naam, moi quand j'envoie quelqu'un pour voir la fille et me la décrire, ce n'est pas comme je vois avec mes propres yeux. Naam, d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, laysa al-mukhabara dans ce sens, mais il est sahih. Mithl al-mu'ayana, il a dit, quand quelqu'un il voit, ce n'est pas comme lorsque on l'informe. Quand est-ce qu'il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il parlait de Moussa alayhi salam. Quand il est parti parler à Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé son frère Haroun avec Ben Israël, les enfants d'Israël. Ensuite, on lui a dit qu'est-ce qui s'est passé? Que, yani en son absence, ils avaient adoré le veau, etc. Que s'est-il passé? Donc, Moussa alayhi salam s'est énervé, s'est beaucoup énervé, mais il n'a rien fait. Mais quand il est revenu, il a vu avec ses propres yeux comment qu'ils adoraient le veau. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez l'histoire. Hein? Il a jeté la Torah, il a tiré son frère, il l'a fait tomber par terre, et il l'a tiré par sa barbe. Il l'a tiré. Pourquoi? Ici a dit le prophète, le fait qu'on voit, ce n'est pas comme lorsqu'on nous raconte. Non, ce n'est pas la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? فقد تكون المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخر. نعم. Une femme peut être belle chez une personne et moche chez une autre. نعم. J'envoie une personne, j'envoie ma mère. Je lui dis, je veux demander la fille de X. Va la voir. Elle va la voir et elle revient. Elle me dit, elle est mashallah. Elle est mashallah. Elle est belle, elle est très mignonne, elle remplit les conditions, mashallah, physiquement, je parle seulement de beauté. Ensuite, je vois ma soeur, pardon, j'envoie ma soeur, elle va la voir, elle revient, elle me dit, oh Allah, pas tellement, elle est tout juste moyenne, tout juste. Ensuite, j'envoie ma tante, elle va la voir, elle revient, elle me dit, celle-là, yani, elle ne vaut rien, question de physique. Subhanallah al-Azim, ma mère m'a dit qu'elle était très belle, et ma soeur, elle me dit moyenne, et celle-là, ma tante, elle dit peut-être qu'elle est moche. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Naam. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, comme on dit toujours. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. D'ailleurs, vous avez remarqué une chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Des fois, vous regardez une personne, vous dites Subhanallah, combien qu'elle ressemble à X. Subhanallah, combien qu'elle ressemble à X. Elle vous paraît, yani, comme des jumeaux. Les deux personnes, comme des jumelles. Ensuite, toi, tu dis à ton ami ou à ta cousine, tu lui dis, regarde, ne ressemble-t-elle pas à X, par exemple? Elle te dit, franchement, je ne vois pas la ressemblance. Subhanallah, naam. Pour toi, elle ressemble. Pour l'autre, elle ne ressemble pas. C'est pas la même chose. Ça dépend comment tu vois, comment qu'on voit les choses. C'est pour ça qu'il a dit ici. Il a dit, quand j'envoie quelqu'un voir à ma place, ce n'est pas comme je vais moi-même voir. Parce qu'il peut voir des choses de l'autre côté. Naam, il voit des choses à l'envers. Il voit des choses parce qu'il part déjà. Cette personne part avec des concepts que peut-être moi je n'ai pas. Elle regarde la blancheur. Moi je ne suis pas intéressé par la blancheur. Quand elle ne la voit pas blanche, elle dit elle n'est pas belle. Elle regarde la taille. Moi je ne suis pas intéressé par la taille. Elle la voit juste un peu petite de taille, elle dit elle n'est pas bien. Naam, elle ne te convient pas. Alors que moi je ne suis pas intéressé par la taille. Et comme ça. Peut-être qu'elle voit des taches de rousseur. Elle dit non, yani elle a un défaut. Alors que peut-être moi, j'aime les taches de rousseur. Subhanallah al-Azim. Il n'y a pas comme, il faut lui qui voit, lui-même, et elle-même qui voit. Ensuite, il a dit autre chose. وَقَدْ يَرَى الْإِنسَانُ مَثَلًا الْمَرْأَةَ عَلَى حَالٍ غَيْرِ حَالِهَا الطَّبِعِيَّةِ لِأَنَّ أَحْيَانًا يَكُونُ الْإِنسَانُ فِي حَالِ السُّرُورِ وَمَشْبَهَ ذَلِكَ لَهُ حَالٌ وَفِي حَالِ الْحُزْنِ لَهُ حَالٌ. Il a dit autre chose. Pourquoi? C'est lui qui doit aller voir et c'est elle aussi qui voit. Pourquoi? Il a dit, parce que des fois la femme, quand tu vas la voir, c'est possible qu'elle ne soit pas dans son état naturel. Il a dit des fois, la personne qui est dans un état de gaieté, une personne qui est dans un état de, disons, on dit jovial, yani gay, masha'Allah. Ça, ce n'est pas comme lorsque tu vas voir cette personne qui est dans un état de chagrin. Non, ça change tout. Même le physique,
le visage va changer. En quelqu'un, masha'Allah, il est gay, etc. Vous voyez la rougeur sur ses lèvres. Masha'Allah, il paraît épanoui. De bonne humeur. Il paraît épanoui, masha'Allah. Mais la même personne, vous allez la voir quand elle est énervée, ou là, elle a eu des problèmes, de graves problèmes, subhanallah. Vous allez la trouver jaune, jaune. Yani, émaciée. Yani, khlas, elle a changé. Elle, cette personne qui était belle n'est plus belle à cause des problèmes, subhanallah. Puis, il a dit, des fois, la femme n'est pas dans son état naturel aussi. Quand on voit une femme, par exemple, qui est menstruée, le temps des, la semaine des menstrues, ce n'est pas comme quand on la voit lorsqu'elle est purifiée. Non, quand elle a les menstrues, elle est jaune, elle est fatiguée. C'est pour ça que, par exemple, la femme, de préférence, elle ne fait pas la muqabala quand elle est menstruée. Elle laisse quand elle se purifie, elle se sent plus épanouie, etc. Non. Sauf si elle sait d'elle que yani, ça ne l'a pas changé. Des fois, les menstrues n'influent pas beaucoup sur certaines femmes et ne la font pas changer. Non. Il a dit autre chose aussi. Non, il a dit summa qara'tu annahu sayanzur adkhalat 'ala nafsiha tahsinat fa idha nadhara ilayha dhanna annaha jamila jiddan wa liyast kadhalik. Il dit autre chose. Des fois elle, quand elle sait que il va venir et il va la voir. Barakallahu fikum Abdullah. Il va venir et elle va la voir, c'est-à-dire la muqabala. Il a dit, des fois, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? La prétendante, qu'est-ce qu'elle fait? Tutrilu ala nafsiha tahsinat. Elle va ajouter à sa parure et à son embellissement. Elle va ajouter à sa parure et à son embellissement. Et des fois, elle va exagérer. Ensuite, lorsqu'il la voit, il dit, elle est masha'Allah. Ensuite, lorsqu'il se marie avec elle, il trouve que, Barakallahu fik Abu Mourim, il trouve quoi? Il trouve que elle n'est pas comme il l'a vu la première fois. Lorsqu'il l'a vu la première fois lors de la muqabala, elle a fait le maximum pour qu'elle paraisse la plus belle de la ville ce jour-là, la plus belle, naam. Et voilà que maintenant, quand il se marie avec elle, elle ne va pas faire ce qu'elle a fait le jour de la muqabala. Le maquillage, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, et maintenant, elle va lui paraître très normale. Il va dire, subhanallah al-azim, j'ai peur qu'on m'ait dupé. J'ai peur, hein. C'est pas celle-là que j'ai vue le jour de la muqabala, subhanallah. Pourquoi? C'est à cause d'elle. Elle a exagéré, naam. Elle a exagéré, elle s'est montrée surnaturelle. Naam, elle s'est montrée surnaturelle. C'est pour ça que certaines vont même jusqu'à, par exemple, des lentilles. Astaghfirullah. Des lentilles. Des lentilles, ça veut dire, tu vas duper, tu vas ruser, naam, et ensuite, lorsqu'il va se marier, tu enlèves les lentilles, ah, voilà, toi, qui avais les yeux bleus, tes yeux sont devenus noirs. Subhanallah al-Azim. Il va dire, mais moi, je me suis marié à cause de, ce qui m'a plu en elle, ce sont ses yeux bleus. Maintenant, elle n'a plus les yeux bleus. Subhanallah al-Azim. Donc ici, on est rentré dans Men Rashana Falisa Minna. Ou bien elle va mettre, tromper la personne, ou bien elle va mettre des faux cils, ou là, des faux sourcils, ou là, je ne sais pas comment on appelle. Naam, on va dire, Masha'Allah, elle a de grands yeux. Ensuite, lorsqu'il se marie avec elle, subhanallah al-Azim, elle enlève ces choses-là. C'est pour ça que, yani, on doit être très naturel le jour où on va faire la muqabala. On doit être très naturel. Pourquoi certaines sœurs font comme cela? Parce qu'elles ont peur de ne pas se marier. Elles disent, je voudrais que je sois attirante au maximum. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à cette sœur? On lui dit, Taqillah subhanahu wa ta'ala. Et sache que si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas marié en haut, tu ne te marieras pas en bas. Non. Si Allah ta'ala n'a pas écrit en haut que tu vas te marier avec cette personne, va chez la plus grande esthéticienne du monde, tu ne te marieras pas avec cette personne. Non, parce que c'est écrit en haut que tu ne te maries pas. Mais si tu avais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu serais rentré naturellement comme ça, avec dans le cœur que si c'est écrit cet homme, personne ne me l'enlèvera. Aucune femme du monde ne pourra l'épouser, sauf moi. Non, moi, si Allah m'a écrit
que je me marie avec celui-là, la plus belle fille du monde, la fille du roi, la princesse, ne pourra pas épouser cet homme. Si Allah Ta'ala me l'a écrit. Donc, il vaut mieux que j'ai tendance à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me donne cet homme. C'est pas je vais tricher, je vais ruser, et mettre des lentilles, je ne sais pas quoi, ou bien mettre des sabots qui font 20 cm de hauteur, subhanallah al-azim, pour paraître grande de taille. Et tu as oublié que tu es rentré dans la tricherie, et tu as oublié que demain chez lui, il va voir que tu es petite de taille. Naam, comment tu vas faire demain? Quand tu vas aller chez lui, tu vas enlever les sabots, les grands sabots. Comment tu vas faire? Naam, je disais que, naam, regardez ici, je vais vous citer un hadith ici. Naam, Rawa Abdel Razak. Taïb, est-ce que vous m'entendez d'abord? Ah, alhamdulillah, barakallahu fikoum. Naam, barakallahu fikoum. Rawa Abdel Razak, bi sanadin sahih. Ce que je vais vous raconter, c'est un sanad sahih authentique. An Ibn Taous, vous connaissez Taous, le grand tabi'i. L'un des ulama, l'un des savants, des tabi'in, qui s'appelait Taous. Celui-là, c'est son fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Aradtu an atazawwaj imra'atan. J'ai voulu me marier avec une femme. Faqala li abi. Mon père m'a dit, idhab fandor ilayha. Va faire la muqabala pour que tu la vois. Va la voir. Fadhahabtu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fadhahabt. Je suis parti, faghasalt. Je suis parti, j'ai fait le ghusl. J'ai fait le lavage, masha'Allah. Faghasaltu ra'si. J'ai lavé ma tête. Watarajjaltu. Je me suis peigné les cheveux. Walabistu min salih thiyabi. Et j'ai mis mes meilleurs vêtements. Les vêtements qui m'allaient le plus. Naam. Il a dit, falamma ra'ani fitika al-hay'a. Ensuite, avant de sortir, mon père m'a vu. Il m'a dit, lorsqu'il m'a vu dans cet état, qala la tadhhab. Il m'a dit, N'y va pas, khlas. C'est pas la peine que tu ailles faire la muqabala. Vous savez pourquoi ou là vous savez pas? Naam. Son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Seulement, il s'est lavé, c'est tout. C'est bien lavé la tête, c'est bien peint les cheveux, il s'est bien habillé. Son père, regardez les grands ulama, il a eu peur que ça rentre un peu dans la tricherie. Subhanallah al-azim. Toi, tu as toujours les cheveux comme ça, embrouillés. Naam, démêlés. Et tu t'habilles toujours, ou la presse toujours, de vêtements, yani, presque troués. Et voilà qu'aujourd'hui, tu vas mettre les plus beaux vêtements, et, masha'Allah, la plus belle coupe, etc. Donc, il lui a dit, ne va pas aujourd'hui. Laisse la muqabala, laisse la, inshallah ta'ala, la prochaine fois. Naam. Je ne veux pas dire, pour que vous compreniez bien, nous n'avons pas la foi des tabi'in et des sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Je veux seulement vous dire que, d'être naturel et de ne pas tricher, c'est tout. Naam. Je ne veux pas dire que yani, il ne s'habille pas bien ou là. Non. Il s'habille un beau kamis, une belle chachia, une belle kada, mais il ne triche pas. Naam. Mais il ne triche pas. Wa ala kulli hal naqul inna adh-dhahir sunnah inna an-nazar al-makhtuba sunnah. Il a dit de toute façon, on dit que le fait de voir, de faire la muqabala pour voir la femme, il a dit c'est une sunnah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu ahra an yu'dama baynakuma. Car le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, pourquoi il a dit yani, voyez-vous yani, faites de sorte que l'homme voit la femme et la femme voit l'homme. Pourquoi? Vous savez pourquoi il a dit innahu ahra an yu'dama baynakuma. Le fait que vous voyez yani, c'est enclin à ce qu'il y ait entre vous des penchants et de l'amour. Naam. Quand tu vois la femme et elle se voit, il est possible que tu sentes quelque chose dans ton cœur. Naam. Que tu sentes des penchants envers elle. Et qu'elle sente des penchants envers toi. Et que tu commences à t'attacher à elle. Et qu'elle commence à s'attacher en toi. Naam. Donc, le mariage sera mieux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lam yura
للمتحبين مثل النكاح أو المتحبين. نعم. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il n'y a pas mieux pour les amoureux que le mariage. Il n'y a pas pour les amoureux, il n'y a pas mieux que quoi? Que le mariage. نعم. ولكن كيف ينظر؟ Mais comment va-t-il voir? Comment va-t-il voir? Et qu'est-ce qu'il va voir aussi? Comment va-t-il voir et qu'est-ce qu'il va voir? نعم. إذا أمكن أن ينظر إليها باتفاق مع وليها بأن يحضر وينظر وينظر إليها فله ذلك. Il a dit, premièrement, hein, le fait de regarder le prétendant est sunnah. Il peut provoquer de l'attachement entre vous. نعم. Jazakallahu khairan. Il a dit, comment qu'il va faire pour la voir? Premièrement, s'il peut et il a la permission de ses parents pour qu'il vienne la voir à la maison ou à quelque part, il a dit ça, yani, alhamdoulillah, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on a dit cela? Parce que certains parents, jusqu'à nos jours, surtout certains pères, n'acceptent pas que, par exemple, on vienne voir sa fille. Il existe jusqu'à nos jours. Le moment où je vous parle, il y a des pères dans des villes et des villages, etc., où ils ne permettent pas à l'homme qu'il voit la fille. Naam. S'il veut, il l'épouse comme ça directement, sans la voir. S'il ne veut pas, qu'il reste chez lui. Et ma fille, je suis prêt à ne pas la marier. Mais l'essentiel, c'est que personne ne la voit. Subhanallah al-Azim. Naam. Il croit, hein. Il croit que c'est comme ça. Naam. طيب ومشبه ذلك. فإن لم يتمكن. Maintenant, si le père, par exemple, ne lui permet pas de voir la fille, ou bien les parents ne lui permettent pas de voir la fille, qu'est-ce qu'il fait? فله أن يختبي لها في مكان تمر به. Donc, ici, comme ruse, qu'est-ce qu'il va faire? Il a le droit de se cacher dans un endroit par lequel elle passe. نعم. Il se cache si c'est par exemple que elle va à tel lycée. Naam. Il se met dans un sentier, dans un chemin, où il sait qu'elle va passer par là obligatoirement pour aller au lycée. Alors là, il la voit de face. Comme ça, yani, elle va le croiser et il va la voir. Naam. Il a dit, comment je peux dire? إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un demande la fille d'une femme, pardon, la main d'une femme, s'il peut, naam, il a dit, s'il peut voir ce qui le pousse à ce qu'il l'épouse, alors qu'il le fasse. Naam. S'il peut voir ce qui le pousse à ce qu'il l'épouse, yani qu'il le fasse. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous demande une femme au mariage, s'il peut regarder ce qui le pousse à l'épouser, qu'il le fasse. Naam. Et la façon, yani, de se cacher, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que c'est sans l'autorisation, par exemple, du père. Et aussi, c'est sans qu'elle le sache. Naam. Car le fait de voir la prétendante, ou bien on me permet pour que j'aille à la maison pour la voir, ou bien on ne me permet pas, et dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a permis de me cacher pour la voir. Comment se cacher? C'est-à-dire sans qu'elle le sache. Sans qu'elle le sache, je me cache quelque part pour, yani, la voir. Et cette chose, le fait de se cacher pour la voir, l'a fait, bien sûr, l'ont fait les salafs. Certains des salafs l'ont fait. Comme dans le hadith, naam, où Muhammad ibn Maslam al-Ansari, radiallahu ta'ala anhu, quelqu'un a dit de lui, quelqu'un qui s'appelle Sahl ibn Abi Hathma, radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ra'aytu Muhammad ibn Maslama. J'ai vu Muhammad ibn Maslama, j'ai vu ce compagnon, radiallahu ta'ala anhu, Yutaridu Buthayna bint al-Dhahhak, en train de suivre et de guetter, qui Buthayna, elle s'appelait comme ça, une femme qui s'appelait Buthayna, la fille de Ad-Dahhak. Ad-Dahhak, le grand tabi'i. Il a dit, j'ai vu Muhammad ibn Maslama en train de guetter Buthayna,
Husayna, la fille de Dhahak, fauqa ijjar, yani, sur la terrasse, sur une terrasse, nam, en train de la guetter, bi basarihi tardan shadidan, yani, en train de la suivre, en train de la suivre comme ça, avec son regard, yani, d'une façon, sans baisser le regard, sans le baisser, yani, il la suivre avec les yeux, yani, d'en bas, il la regarde, bien sûr, elle ne savait pas. Que lui a-t-il dit, subhanallah al-azim, il lui a dit, أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Dis-moi, Mohamed, tu fais cette chose, alors tu es l'un des compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tu ne rabaisse pas le regard, tu regardes comme ça la fille, subhanallah al-azim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, إِذَا أُلْقِيَ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةُ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا Naam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, si quelqu'un sent dans son cœur, un penchant pour demander une telle femme, maintenant, s'il peut la regarder, qu'il fasse. Et il y a aussi un autre hadith d'un compagnon qui se cachait derrière un arbre. Naam, il se cachait derrière un arbre pour voir, yani, la prétendante à laquelle il voulait demander sa main. Naam. Ensuite, il a dit, donc, ici je résume pour que ça soit très clair, je résume. Si on me permet d'aller la voir à la maison, je vais à la maison, je fais muqabala. Si on ne me permet pas, sans son avis alors, sans qu'elle sache, je me cache. Et quand je me cache, tout ce que je peux voir d'elle, c'est permis. Car nous allons voir bientôt que quand il rentre pour la voir dans la muqabala, il ne voit que son visage et ses mains. Pourquoi? Parce que elle est venue avec son accord à elle et de ses parents, et lui il est venu, donc là il ne va voir que son visage et ses deux mains. Mais maintenant, si en cachette il va la guetter, il peut voir plus s'il peut. C'est-à-dire, s'il sait que elle va monter dans la terrasse pour étendre les vêtements, et elle va monter sans le foulard sur la tête, s'il peut la voir, qu'il voit. S'il sait qu'elle va monter sur la terrasse, elle sera habillée assez court, de façon à ce qu'on voit par exemple ses tibias ou ses mollets, qu'il voit. Pourquoi? Parce qu'il a envie de demander sa main. Il ne voit pas par tentation, par plaisir. Non. C'est, comme a dit le prophète Aslam, yani, dans son cœur, il a senti quelque chose pour demander sa main. Il a ulqiya fi qalbi ahadikum. Naam. Il faut que tu sentes dans ton cœur que tu veux épouser celle-là. Maintenant, si tu peux te cacher pour voir d'elle des choses, fais-le. À condition quoi? Qu'elle ne sache pas. Ce n'est pas, elle se met d'accord avec lui, elle lui dit d'accord, à 11h, Inch'Allah, je vais monter dans la terrasse, sur la terrasse, et je ne mettrai que des vêtements courts, et yani, tu pourras voir mes cheveux, etc. Ça c'est haram, haram, haram. Il ne faut pas qu'elle soit en accord avec lui. Il ne faut même pas qu'elle sache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle doit se cacher, si elle est sur la terrasse, cheveux découverts, ensuite elle a remarqué qu'il est en train de la voir, même si elle sait qu'il va la demander en mariage, elle doit se cacher. Elle cache vite ses cheveux, elle rentre à la maison. Mais la permission ici, c'est seulement du côté de l'homme. C'est l'homme qui peut voir en cachette, ce n'est pas avec son accord. Elle ne sait pas. Si elle sait, elle cache, naam. طيب, il a dit, وَلَهُ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا. Et il lui est permis de voir ce qui apparaît de coutume. De coutume. Il a dit, مِثْلُ الْوَجْهِ, comme le visage. وَالْرَقَبَ, et le cou. وَالْيَدْ, et la main. وَالْقَدَمْ, et le pied. ونحوها اما النظر اما ان ينظر الى ما لا يظهر غالبا فهذا لا يجوز. Il a dit, mais quant à regarder des choses qu'on ne voit pas de coutume, c'est interdit. Il a dit, on ne regarde que les choses qui paraissent de coutume. Ensuite, il a dit, quand on dit de coutume, comment qu'on va savoir
est-ce que cette chose, on la voit de coutume ou on ne la voit pas? Comment qu'on va savoir? Il a dit, la coutume ici et les habitudes doivent être conditionnées par ce que faisaient les pieux prédécesseurs, salaf salah. Ce n'est pas la coutume de ma famille ni de mes voisins. Non. Les coutumes et les habitudes, les salaf salah. Salaf salah, que montrer leur fille lorsqu'elle allait faire la muqabala. Naam. On ne voit pas les coutumes de maintenant, ni des familles yani, qui se disent civilisées. Elle va venir rentrer avec un blue jean serré, mais peut-être même avec une cigarette. Là, on ne voit pas cela. On voit les coutumes des self-salah. Self-salah, quand ils ramenaient, salat al-maghrib, tfaddal, quand ils ramenaient, quand leur fille rentrait pour faire la muqabala, comment qu'elle rentrait habillée? Comment qu'elle rentrait habillée? Naam. Il a dit, maintenant si on ne va pas conditionner cette chose par yani, les habitudes des salaf salah, tout va se perdre, tout va se perdre. Hein? Il a dit, mais l'essentiel, c'est de voir en général ce que peuvent voir les maharim, le prétendant peut le voir. Et la chose la plus importante à voir ce jour-là, c'est quoi? C'est le visage de la femme. Maintenant, si elle rentre avec le niqab, il peut dire, j'ai rien vu. Naam, si tu rentres avec le niqab, je n'ai rien vu. Donc, c'est pas la peine qu'on fasse la muqabala si tu rentres avec le niqab. Naam. طيب وهم شيء هو الوجه وينظر إليها قبل الخطبة ويجوز المرأة أن تمكن خاطب من نظرها بشروط. Naam. Et il est permis à la femme aussi que elle lui permette qu'il la voit. Naam. Je reviens juste un peu marche arrière ici. Je reviens juste un peu marche arrière. بإذن الله سبحانه وتعالى. Naam. Quand il a dit ici, qu'a dit Cheikh? Il a dit, il lui est permis qu'elle voit quoi? Il a dit le wajh, le visage. Ensuite, il a ajouté le cou. Ensuite, il a dit la main et le pied. Moi, je voudrais dire, بإذن الله سبحانه وتعالى, qu'il n'y a aucun dalil que le prétendant peut voir le cou de la prétendante et ses pieds. Naam. Il n'y a aucun dalil qui permet au prétendant de voir quoi? De voir plus du visage et des deux mains. Quant au visage et les deux mains, tout le monde connaît le hadith de Asma. Il y a Asma, « Inna al-mar'a idha balaghat al-mahid, la yahiqu au fima ma'na, la yasluh an yura minha illa hadha wa hadha. » Ô Asma, quand la femme commence à avoir les menstrues, il ne lui est plus permis de montrer que le visage et les mains. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith bon. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a bien montré dans Sourate An-Nur la femme, qu'est-ce qu'elle peut montrer aux gens de la famille et aux étrangers. Naam. Et il n'a jamais dit qu'elle pouvait montrer son cou, ni son pied, ses pieds, et encore moins ses cheveux. Une seconde, inshallah ta'ala, j'allume le climatiseur. Une seconde, inshallah. Naam. Salam alaykoum. Fais saut, Oum Abdillah. Naam. Alhamdulillah. Je dis, je redis, il n'y a aucun dalil, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qu'il est permis à la femme, quand elle fait la muqabala, de montrer ses cheveux. Et quiconque dit, elle peut montrer ses cheveux, qu'il ramène un dalil du Coran ou de la Sunna. Qu'une femme peut montrer ses cheveux à un étranger. Car, en tout état de cause, cet homme, c'est un étranger. Il va me voir. Je ne sais pas s'il va m'épouser ou pas. Quelle est la preuve qu'il va m'épouser? Peut-être qu'il va me voir, il va dire non. Naam. Ensuite, quand la femme, yani, ou là, quand la fille, a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et sait que elle ne peut se marier en bas que si elle se marie en haut, la règle. Elle ne peut se marier en bas que si déjà Allah ta'ala la marie en haut.
Naam. Donc, montrer mes cheveux ou ne pas les montrer, yani, montrer les cheveux, ce n'est pas un délit que je vais être accepté. Peut-être au contraire, je vais cacher mes cheveux et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas transgresser ses lois, il va m'écrire cet homme. Maintenant, peut-être je vais montrer mes cheveux, Allah ta'ala va me dire, je ne vais pas te le donner. Naam. Tu crois l'avoir en me désobéissant, je ne vais pas te le donner cet homme. Et si tu vas l'avoir, tu vas avoir des fitnas avec lui. Naam. Donc, plus on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, plus on est enclin à ce qu'il soit ravi de nous, et quand il est ravi de nous, il nous comble, Azza wa Jal, de bonheur. Il nous comble de bonheur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ne fait pas une chose, la laisse, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il lui donnera mieux que cette chose. Man taraka shay'an lillah, awadahu khayran minhu, hadithun sahih. Naam. Quiconque ne fait pas une chose pour obéir à Allah, alors que je voudrais faire cette chose, je voulais la faire, si ce n'était pas Allah qui l'avait interdit, maintenant Allah Ta'ala va me donner mieux que cette chose que j'ai laissée. Pourquoi? Je l'ai laissée à cause de lui. Je suis sûr qu'il va me la faire remplacer par une chose qui est 10 fois mieux que cette chose, ou bien 20 fois, ou bien plus. Naam. Ensuite, il a dit, miraran, pardon, une seconde ici. Naam. Regardez ici une seconde. Hein. Regardez ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, Allah yirhamou. Cheikh Al-Albani, Allah yirhamou. Il a dit, نعم شيخ العوايشة نعم شيخ العوايشة حفظه الله dans le livre الموسوعة الفقهية qu'est-ce qu'il a dit وسألت شيخنا رحمه الله أي شيخ الألباني وسألت شيخنا رحمه الله ما هو آخر ما تقولونه في المواضع التي ينظر إليها الخاتم celui-là il pose la question شيخ الألباني الله يرحمه il lui dit quel est votre dernier avis sur ce que le prétendant peut voir, ce qu'il peut voir de la prétendante. Il a dit, ensuite, il a continué la question. Il lui a dit, est-ce qu'il ne peut voir que le visage et les deux mains? Fa'ajaba rahimahullah, il a répondu, na'am. Qultu, alors je lui ai dit, wa min ghayri ittifaq, et s'ils ne se sont pas mis d'accord, c'est-à-dire il s'est caché, etc. Alahu an yuhawila ru'yata ma yad'uhu ila nikahiha, et s'il se met, il se cache et la fille ne sait pas, peut-il voir des choses plus que cela? Peut-il voir plus que le visage et les deux mains? Il a dit na'am, comme j'ai dit tout à l'heure. S'il se cache, il peut voir plus s'il peut. Mais s'il ne se cache pas, il va à la muqabala, il ne peut voir que le visage et les deux mains. Na'am. Qala shaykhuna, يعني الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر عدد من الأحاديث في النظر المخطوبة قال هذا ومع صحة الأحاديث في المسألة وقول جماهير العلماء بها فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها il a dit malgré tous les hadiths qu'il y a الشيخ الألباني dit الله يحمه il a dit malgré tous les hadiths qu'il y a et malgré toutes les habitudes et les coutumes des pieux prédécesseurs فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها. On trouve maintenant beaucoup de gens qui n'appliquent pas cette sunna. نعم. فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم. Il a dit, ils ne permettent pas aux prétendants de voir leur fille. نعم. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains ne permettent pas aux prétendants de voir leur fille. ولو في حدود القول الضيق. Allah. Même si c'est seulement yani, dans la vie qui dit, il ne voit que le visage et les mains. Il a dit même cela, voir le visage et les mains, certains parents n'acceptent pas. Tawarru'an minhum za'amu. Naam, za'ama, il dit za'ama, za'amu. Za'ama, ils prétendent qu'ils font cela par piété, par ascétisme. Tawarru', masha'Allah. Yani, par piété, ils ont atteint un degré de piété et d'ascétisme qui ne permettent plus qu'on voit leur fille. Masha'Allah. Wa min aja'ibi al-wara' al-barid. Et ce qui est étonnant chez ceux-là, ce qui est étonnant chez ces gens-là qui ont un ascétisme froid,
نعم ان بعضهم ياذن لابنته بالخروج للشارع سافره بغير حجاب شرعي. Mais ce qui est étonnant chez ces personnes qui ne laissent pas le prétendant voir leur fille, ce qui est étonnant, c'est qu'ils laissent leur fille sortir dans la rue, il a dit, sans hijab. Naam, avec un blue jean. Naam. Dans la rue, il la laisse avec la mini-jupe et je ne sais pas, micro-jupe ou je ne sais pas quoi. Naam. Ce n'est pas interdit. Elle montre presque toute sa poitrine. Ce n'est pas interdit. Naam. Mais si le prétendant vient, c'est interdit. Même qu'il voit le visage. Subhanallah l'adim, subhanallah l'adim. Il a dit, subhanallah l'adim, hada shi'un ajib, jiddan, jiddan. Thumma ya'ba an yaraha al-khatib fi dariha wa bayna ahliha bi thiyab shar'. Subhanallah, celui-là, il permet à sa fille dans la rue d'être à moitié nue, alors que dans la maison, entouré de ses parents, il ne lui permet pas, au prétendant, de la voir avec le hijab shar'i. Subhanallah l'adim, avec les vêtements shar'i. Subhanallah l'adim, il n'y a pas. Pas plus étonnant que cela. Allah al-musta'an. Allah. Pas plus étonnant que cela. Naam. Wa fi muqabil ha'ula'i. Damon, c'est Cheikh Al-Albani qui parle. Et en revanche, yani, il y en a d'autres mustahtirin, d'autres, yani, qui ont yani, une foi très très faible. Yani, s'ils ont de la foi, s'ils ont, elle est très très faible. Naam. Les insouciants. Ceux qui, le din ne leur dit rien. Les insouciants. Ils ne connaissent rien du din, ceux-là. Naam. Fa'innahum la yagharoun ala banatim. Ils ne sont pas jaloux de leur fille. Certains parents, certains pères aussi, frères, ne sont pas jaloux de leur fille. Pourquoi? Taqlidan li asyadihim l'européen. Naam. Par désir d'imiter leur maître, les Européens. Par désir d'imiter, imiter, naam, qui leur maître, les Européens. فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سفيرات سفور غير مشروع. Ils permettent aux photographes de les photographier alors qu'elles ne portent pas le hijab. Comme ça, yani les cheveux découverts, etc. Yani avec des vêtements qui ne sont pas shar'iyin. Et il a dit, والمصور رجل أجنبي عنهم. Et pourtant le photographe est un homme, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme qui va photographier une femme. Un homme. Ajnabi, étranger par rapport à ses filles, il est étranger. Wa qad yakunu kafiran, il peut être même kafir. C'est un kafir ce photographe, subhanallah l'adim. Thumma il a dit, yuqaddimna suwarahuna ila ba'd shubban. Thumma, elles vont donner, ou bien les parents vont donner, par exemple la mère de la fille va donner les photos à qui? Au prétendant, naam, ou bien la fille va donner sa photo au prétendant, naam, bizami annahum yuriduna khitbatihin. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent que celui-là, il veut quoi? Il veut lui demander sa main. Alors, elle demande l'avis de son père pour qu'elle lui donne sa photo. Naam. Entre parenthèses, si elle demande l'avis, et la fin, c'est quoi? Il n'y a pas le khitba. Naam. Il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien. Il ne lui demande pas sa main. Naam. Wa tazillu suwaru banatihim ma'ahum yataghazzalu biha. Il a dit, et la photo, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rester chez le jeune. Naam. Le mariage n'a pas eu lieu. La photo va rester chez le jeune. Il a dit, en train de la voir tout le temps pour assouvir ses désirs. Naam, ses désirs charnels, pour les assouvir. Quand on entend, il la voit, il la montre à ses amis, etc. Il rit d'elle. Il a dit, elle a fait ta'hsan lil aba illadina la yagharoun. Oh, yani malheur, il fait un doua contre eux. Malheur aux pères qui ne sont pas jaloux de leur fille. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a dit ensuite, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naam. Tayyib, maintenant on termine seulement cette chose. Tayyib, il a dit, on avait dit que il lui a été permis de voir d'elle ce qui paraissait de coutume. De coutume, on avait dit que c'est le visage et les deux mains. Naam. Et il a dit, miraran. Miraran, c'est-à-dire plusieurs fois. Naam. C'est-à-dire que quand quelqu'un va voir la fille, il n'est pas obligé de la voir une seule fois, ensuite il baisse les yeux. Naam. Ensuite, quand il sort, il va dire, Wallahi, je n'ai pas bien vu.
Wallah, je ne sais pas. Yani, je ne suis pas sûr qu'elle me plaise, je n'ai pas bien vu, etc. Non. Il a dit, dans la muqabala, tu peux voir plusieurs fois. Tu vois une fois, tu baisses les yeux. Tu vois une deuxième fois, une troisième fois. Et comme ça, Naam, il a dit, tout cela est permis. Naam, il a dit, فَإِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ مَا وَجَدَ مَيْلُ إِلَى نِكَاحٍ فَلْيَنْظُرْ. Maintenant, si en la voyant la première fois et la deuxième fois, il a été satisfait. Ce n'est pas la peine alors que toi de la revoir. Classe, tu as vu une fois, tu as baissé les yeux. Tu as attendu un peu, elle a parlé, ou je ne sais pas quoi, tu l'as revue. Classe, tu sais que tu dis c'est à peu près le genre que je veux. Ici, ce n'est plus la peine, Yanni, d'insister. Ce n'est plus la peine d'insister. Le but a été quoi? A été éteint. En revanche, le cheikh ne l'a pas dit ici, mais c'est vrai aussi. C'est quoi? Maintenant, si tu la vois la première fois et tu sens que ce n'est pas celle que tu cherchais. Ensuite, tu revois la deuxième fois, par exemple, tu sens que ce n'est pas elle. Bon, tu dis, je veux être plus sûr. Tu regardes, par exemple, la troisième fois, tu sens que vraiment, ce n'est pas elle. Ce n'est pas le genre que tu voulais. Non. Là aussi, il ne faut plus insister. Pourquoi tu vas insister alors que tu sais que, khlas, déjà, dans ton cœur, tu t'es désisté. Tu as dit, khlas, je ne me marie pas avec celle-là. Déjà, dans ton cœur, tu as pris la décision de ne pas continuer. Dans ce cas aussi, il n'est plus permis que tu vois, khlas, car tu as décidé de ne plus te marier. Non. Même, il faudrait même essayer de faire vite pour sortir. Maintenant, si tu n'as plus la harbe dans le cœur. Là, il faut faire vite, comment? Pour que Yanni quitte la maison. Non. Ensuite, il a dit, est-ce qu'il lui est permis qu'il lui parle? Est-ce qu'il lui est permis qu'il lui parle? Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou a répondu, il a dit, là, non, non, il n'est pas permis qu'il lui parle. Il a dit pourquoi? Il a dit, car le fait de lui parler, ou là, le fait qu'elle lui parle elle, ça excite la tentation. Et, yani, sa voix peut être aussi, yani, provocatrice. Naam, il a dit, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pourquoi il fait la muqabala? Il a dit, pour la voir. Il a dit, il n'a pas dit pour qu'elle lui parle. Il a dit, le prophète a dit, va la voir. Il n'a pas dit, va lui parler. C'est ça le délil de Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou, que d'après son avis, on ne doit pas parler avec qui? Avec la prétendante. Naam. Mais je préfère, Wallahu ta'ala alam, ne pas prendre de cet avis. Naam. Ne pas prendre de cet avis. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a dit, va la voir, il ne lui a pas dit aussi, ne lui parle pas. Il ne lui a pas dit, ne lui parle pas. Il lui a dit seulement, quoi? Yani, va la voir, c'est tout. Mais il s'est tu, en ce qui concerne, est-ce qu'il est permis de parler à une femme ou il n'est pas permis? Alors, tout le monde sait que il est permis de dire salam alaykoum, il est permis de rendre le salam, il est permis, quand une femme est en période de viduité, il est permis de lui parler de mariage par insinuation. Si elle est par exemple en période de viduité, de mort, son mari est mort, elle est en période de viduité, je peux parler par insinuation. Je peux lui dire par exemple, je voudrais épouser une femme comme toi, ou là une femme comme toi, on n'en trouve pas tout le temps. Et comme ça, insinuation, j'insinue. Donc, pourquoi ici il m'est permis de parler, alors qu'avec la prétendante, il ne m'est pas permis de parler. Alors que l'autre aussi, c'est une prétendante, son mari est mort, je ne la connais pas, c'est une étrangère. Pourquoi il m'est permis de lui parler? Il dit, il n'y a pas que une femme comme toi, on n'en trouve pas partout. Par exemple, j'ai insinué, je ne parle pas de toi. Je dis, une femme comme toi, on n'en trouve pas partout. Je suis sûr qu'elle sera assez intelligente pour savoir que je veux lui demander sa main. Mais c'est interdit de dire maintenant à cause de la période de viduité. Et moi, ça va venir, inshallah ta'ala, plus tard, un peu, pas plus tard, dans nos prochains dars. Naam. C'est pour ça que, de préférence, on prend avec l'avis qui dit quoi? Qui dit que il lui est permis de lui parler. Et d'ailleurs, le cheikh ici, le cheikh Aouaïcha, Hafidhahullah, dans Kitab al-Mawsu'a al-Fiqhiyya, page 37, il a dit, titre, Muhadathatu rajul lil mar'a. Muhadathatu, la discussion ou bien le parler
de la femme avec de l'homme avec la femme, c'est-à-dire lors de la muqabala. Il a dit tushra'u al-muhadathatu baynahuma. Il est permis qu'ils parlent les deux. Il est permis que les deux parlent entre eux duna khalwatin, à condition qu'ils ne soient pas en tête à tête. À condition qu'ils ne soient pas en tête. Amma al-mubalagha fi dhalika fala. Mais à condition que quoi? Il y a deux conditions pour parler avec la prétendante. Qu'il n'y ait pas de tête à tête. Il faut que son père, son frère, sa famille soit avec moi. Je ne reste pas avec elle en tête à tête, car ce n'est pas ma femme. Non. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, il a dit, à condition de ne pas exagérer. À condition, non, de ne pas exagérer. Donc il y a deux conditions. Pas d'isolement, et pas de quoi? Et pas d'exagération. Non. Ni isolement, ni exagération. Non. Une seconde, inshallah ta'ala. Tayyib. Non. Tayyib. Quelle est ensuite la cause qui permet aussi de parler à la femme à la femme lors de la muqabala? Vous savez, l'une des causes aussi laquelle? Non. Il est possible que cette femme, par exemple, ait un défaut de langue. Naam. Il y a des femmes, par exemple, qui bégayent. L'homme aussi peut bégayer. Donc, si lui, il ne parle pas, là, elle ne parle pas, je ne peux pas savoir quel est le défaut. Naam. Il est possible que, par exemple, elle soit sourde. Naam. Mais si je parle, je vais découvrir ce défaut. À chaque fois que je dis un mot, elle me dit « répète, je n'ai pas entendu ». Je lui dis un mot « répétez, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu ». Subhanallah, je dis un mot, mais j'entends rien. Donc, subhanallah, donc je comprends ici que par exemple, elle est sourde. Et pourquoi pas? Elle peut être muette. Elle peut être muette. Mais si je parle avec elle, je découvre, subhanallah, si elle est muette ou si elle ne l'est pas. Autre chose, elle peut avoir une voix, par exemple, très grave. Naam, la voix grave, grave. Le contraire d'aigu. Une voix très grave, de façon que, yani, ça, en l'entendant, je ne suis plus enclin à l'épouser. Non, je me dis, j'aime pas une femme avec une voix pareille. Mais si je l'avais pas entendue, maintenant le jour du mariage, la nuit de noces, elle va parler, je vais trouver, yani, que c'était pas ce que je voulais. Vraiment, yani, une voix, Allah ghalib, c'est Allah ta'ala qui l'a créée comme ça, mais je ne suis pas obligé que ce soit moi qui se marie avec elle. Il y a un autre peut-être qui va l'accepter. Non, c'est pas... L'autre, il n'a pas cette condition, mais moi, j'ai cette condition. Donc, c'est pour ça qu'elle doit parler, mais sans exagération. Sans exagération. C'est-à-dire, il ne parle que, par exemple, dans quoi? Dans les normes. Dans les normes. Et là, les meilleures choses à parler dans la muqabala, c'est quoi? C'est de savoir quels sont les minhaj. Naam. Pouvez-vous me dire quel genre de livre vous lisez, barakallahu fik? Chef, je vois à peu près quels sont minhaj. Et ensuite, par exemple, les conditions. Naam. Moi, par exemple, je n'accepte pas de vivre avec les parents. Je veux un appartement seul, par exemple. Ou là, c'est le contraire. C'est le contraire. L'homme va parler. Il va dire, voilà, ma soeur, moi je dis la vérité, il faut que tu vives avec mes parents. Voilà ma condition. Naam. Il dit les conditions là. Si ça ne marche pas, elle dit non. Ou elle dit, je réfléchis. Non, les conditions, c'est très très important. La polygamie, ma polygamie. Hein? Pour celles qui n'aiment pas la polygamie, etc. Ou là, pour ceux qui aiment la polygamie. Ma soeur, moi, Inch'Allah ta'ala, si Allah ta'ala m'ouvre ses portes, j'en épouserai une deuxième. Peut-être même une troisième, quatrième. Allahu alam. Moi, je suis Inch'Allah pour la polygamie. Non, il faut le parler à Allah, si tu es pour la polygamie. Et l'autre, il faut qu'elle dise aussi. Donc, conclusion, et c'est avec quoi je vais finir, conclusion. Pour que on puisse voir la fille le jour de la muqabala, il faut 6 conditions. Très vite, je les cite très vite. Premièrement, pas d'isolement, pas de tête à tête. Deuxièmement, bila shahwa. Quand il la regarde, il ne regarde pas avec plaisir et tentation, mais il regarde par information. Il veut s'informer d'elle, comment qu'elle est faite. Comment qu'elle est créée. C'est pas il regarde par plaisir, en imaginant des choses.
pas encore, ce n'est pas ta femme. Regarde seulement si elle te plaît. Naam. Troisièmement, un yirliba ala zannih. Al-ijaba. Quand il la regarde, il faut qu'il ait déjà dans son cœur le pressentiment qu'il va être accepté. Lui, naam. Ou bien, il faut qu'il ait de fortes probabilités. Il faut qu'il ait dans son cœur qu'il ressente de fortes probabilités qu'il va être accepté. Car s'il sait d'avance qu'il ne va pas être accepté, alors pourquoi il la regarde? Naam. Quatrièmement, naam, il faut qu'il y ait, quatrièmement, je ne veux pas employer le mot conviction parce que c'est trop. Naam, je veux dire seulement, yani il ressent. Quatrièmement, an yandora ila ma yadharu ghaliban. Quatrièmement, il ne voit que ce qui paraît, c'est-à-dire le visage et les mains. Cinquièmement, an yakuna aziman ala khitba. Naam, an yakuna aziman ala khitba. Il faut que vraiment son but, c'est quoi? C'est de demander sa main. Car peut-être que certains font des choses comme ça, pas dans le but de demander la main. Dans le but de quoi? De voir les filles des gens. Hein? Je vais chez celle-là, je la vois. Inch'Allah ta'ala, après je vous rends la réponse. Ensuite, je vais chez ma voisine. Ensuite, je vais dans l'autre quartier, je vois une autre. Et chaque semaine, je vois une fille. Alors que je n'ai pas dans l'intention de me marier. Ça, c'est vraiment haram. C'est vraiment, vraiment haram. Car les gens ont permis de voir leur fille quand ils ont senti que tu avais l'intention de demander sa main si ça allait marcher. Ce n'est pas que tu es venu ici pour un spectacle. Hein? Ce n'est pas un spectacle ici, ni, yani, ard al-azia, ard al-azia, hein? Les femmes qui passent avec elles, montrent les vêtements, si j'ai oublié comment ça s'appelle ça. Sadisan, sixièmement, et la sixième condition, elle a rapport avec la femme. C'est quoi la sixième condition? Un la tazhar, défilé de mode. Naam, défilé de mode. Ici, il défile pour voir les femmes. La sixième condition, c'est quoi? Un la tazhara. Il ne faut pas qu'elle paraisse mutabarrija. Un la tazhara mutabarrija. Elle ne rentre pas chez l'homme mutabarrija. C'est-à-dire, sans son djilbab, ou là, en montrant ses cheveux, en montrant sa poitrine. Tout ça, c'est interdit. Au mutatayiba, elle ne rentre pas chez l'homme après s'être parfumée. Elle ne met pas de parfum ce jour-là quand elle rentre chez l'homme. Muktahila, elle ne met pas le noir dans ses yeux. Elle ne se noircit pas les yeux. Naam, elle rentre naturelle. Naam. Wa ma ashbaha dhalika min tajmil. Et tout ce qui a rapport avec l'esthétique et l'embellissement, etc. Parce que le but de quoi? C'est quoi le but de cette rencontre? Il a dit, ce n'est pas le but pour qu'elle l'exhorte et elle l'incite à ce qu'il fasse avec elle un rapport. Subhanallah, il dit, ce n'est pas sa femme et il n'est pas son mari. Non, ce n'est pas ça le but, je vais l'exciter. Non, ça je le fais avec mon mari. Ici le but c'est seulement de quoi? Qu'il me voit, qu'il ait une idée de moi. Il voit comment je suis faite, comment je suis créée, c'est tout. Ce n'est pas le but que je lui plaise au point où il voudrait yani, faire ce que fait l'homme avec son épouse. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, qu'il sache je suis qui. Hein, on est trois ou quatre filles à la maison. Qui il veut? C'est moi, voilà, c'est moi. Maintenant tu m'as vu. C'est moi yani, dont on t'a parlé. Ce n'est pas ma sœur l'autre. Non, c'est moi. Donc, l'essentiel c'est qu'il te voit, c'est tout. Il a dit, car si elle rentre mutabarrija ou bien parfumée, ou bien après s'être noirci les yeux, etc., il a dit, tout ça c'est fitna. Il a dit, tout ça c'est haram. Et anna ajnabiyya minhu, parce que c'est une étrangère par rapport à lui. Naam. Thumma fi ma dhuhuriha hakala mafsada. Il a dit ensuite, quand elle rentre comme ça, yani avec la parure, etc., après s'être embellie, une semaine en train de s'embellir, etc., quand elle rentre, il a dit, فَإِذَا تَزُوَّجَهَا وَوَجَدَ عَلَى غَيْرِ الْبَهَاءَ الَّذِي كَانَ عَهِدَهُ رَغِبَ عَنْهَا. Naam. Il a dit maintenant qu'elle est sortie de son naturel. Naam. Si jamais il se marie avec elle, il ne la trouve pas naturelle, il n'aura plus envie d'elle. Naam. Subhanallah al-Azim. Elle était tellement belle le jour de la Muqabala, maintenant, elle ne me paraît pas belle comme elle était. Donc quoi? Donc je n'ai plus de penchant envers elle. Mais imaginez le contraire. Imaginez le contraire. Quand la sœur rentre d'une façon naturelle,
Masha'Allah. Et qu'elle lui plaise. Et quand elle se marie, elle s'embellit encore plus. Celui-là, il va dire Masha'Allah, Masha'Allah. Subhanallah al-Azim, cette femme est devenue plus belle qu'elle ne l'était. Donc, l'essentiel, c'est d'être plus belle et n'est pas, et non pas le contraire, de devenir plus moche. Naam. Le jour de la muqabala, elle est très belle. Ensuite, elle enlève ces choses-là, elle ne peut pas être tout le temps comme ça. Il va la trouver, yani, pas comme il voulait. Il a dit surtout, il a dit surtout que le shaitan embellit. Il embellit la femme qui n'est pas permise plus que l'épouse. Subhanallah, vous n'avez pas remarqué que la femme qui est interdite, l'homme, yani, la voit dans les yeux, la voit dans la rue, il ne rabaisse pas le regard, etc. Alors qu'elle n'est pas belle comme sa femme. Alors que sa femme est plus belle que lui. Pourquoi? Parce que l'autre, elle a le shaitan avec elle. Mais sa femme n'a pas le shaitan. L'autre, c'est le shaitan qui l'entoure et qui fait d'elle la plus belle. Naam. Il a dit, حَتَّ تَجِدُ بَعْضَ النَّاسُ وَلَيَّدُ بِاللَّهِ. Il a dit, au point où tu trouves certains gens, il a dit, أَعُوذُ بِاللَّهِ عِنْدَهُ مَرَأَةٌ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَى. Il a une femme parmi les plus belles femmes. Et quand tu trouves un homme, il a une épouse parmi les plus belles épouses. ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى مَرَأَةٍ قَبِيحَ شَوْهَا. Et celui-là, subhanallah al-azim, qui a une femme parmi les plus belles femmes, si jamais une femme qui est moche et shouha, yani shouha, qui est, disons, par exemple, cicatrisée, ou la, yani, khlas, mushouha, hein, il dit, subhanallah al-azim, même très moche, il dit, il la regarde. Il la regarde, yani, avec désir. Il a dit pourquoi? لِأَنَّ الشَّيْطَانِ يُبَهِيهَا بِعَيْنِهِ حَيْتُ إِنَّهَا لَتَحِلُ لَهُ. Parce qu'il a dit c'est le shaitan qui a fait ça. Non. C'est le shaitan qui a fait ça d'elle pour qu'il la paraisse, pour qu'il la fasse paraître vraiment belle. Et pour terminer, regardez, quand j'ai dit dans le quatrième, oh, subhanallah al-azim, j'ai pris 35 minutes en plus de l'udas. Dans la quatrième condition, qu'est-ce qu'on a dit dans la troisième condition? Il faut qu'il ait de fortes probabilités d'être accepté. Non. Pour que la muqabala, pour que yani, le fait de voir la femme en islam soit permis, il faut qu'il ait dans son cœur beaucoup de probabilités, un grand pressentiment qu'il va être accepté. Maintenant, on va me dire, et nous, comment on sait si on va être accepté ou pas? Allah l'a dit. Non. Moi, je vais demander la main d'une femme. Comment vais-je savoir que je vais être accepté, j'ai le pressentiment d'être accepté ou pas? Comment qu'on va faire pour savoir? C'est très facile, bi'idna ta'ala. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur exalté soit-il, a créé les gens et il les a mis des rangs et des niveaux. Nous ne sommes pas tous dans le même rang, ni tous dans le même niveau. Niveau social, etc. Naam, niveau familial, niveau social. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Naam, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Barak Allahu fik. C'est nous qui avons réparti entre leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres. Donc vous remarquez que Allah Ta'ala, le Seigneur exalté soit-il, a élevé les uns yani, sur les autres. Nous n'avons pas tous le même grade social et familial, et son d'argent, etc. Nous n'avons pas tous le même grade. Naam. Il a dit donc, pour que je sache si je vais être accepté ou pas, regardons cet exemple. Si par exemple un balayeur, quelqu'un qui travaille, qu'est-ce qu'il fait? Il balaye dans la rue, il travaille à la mairie, on lui donne le balai, on lui dit tu balayes cette rue, tu commences ici et jusqu'au bout de la rue. C'est ça son travail. Il prend le balai, il est en train de balayer. Non. Si celui-là va se présenter pour demander la fille du roi, il va demander la princesse. Non. Le roi a une fille, masha'Allah, elle a 20 ans. C'est une princesse. Celui-là, il balaye la rue. Il va dire, je vais demander sa fille.
Ah, pardon, je vais demander la main de cette fille. Subhanallah al-Azim. Naam. Dites-moi, barakallahu fikum, est-ce que celui-là, il a des chances, yani, qu'on l'accepte? Est-ce... Je dirais plus que cela. Est-ce qu'il a les chances d'arriver au palais? Il arrive devant la porte du palais, celui-là? Celui-là, si on le trouve dans les parages du palais, on va le mettre en prison. On lui a dit, toi, avec ta tenue déjà vestimentaire, tu as tout gâché. Il faut que tu ailles loin du palais. On peut l'accepter si on se dit, Khalina, peut-être qu'il est venu pour balayer ici devant le palais. Non, il est venu balayer devant le palais. Khalina, miskin, laissez-le travailler. Mais maintenant, il va dire, salam alaikum, je suis venu demander la main de la princesse. Non, donc celui-là, comme on a dit, il n'a aucune chance, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Surtout si c'est les parents de la fille ne sont pas pieux, etc. Non. Non. Hein? Il a dit la même chose. Si maintenant, par exemple, quelqu'un qui est vieux et malade, non, quelqu'un qui est vieux, par exemple, 75 ans, il est malade, place, il n'a plus de dents, il ne voit plus, on le guide, hein, on le guide, il a dit, maintenant, et en plus de ça, il est sourd, il n'entend pas. Là, 75 ans, il n'entend pas. يتقدم إلى بنت شابة جميلة. Il va demander la main d'une fille. Premièrement, elle est jeune, peut-être qu'elle a 18 ans. Deuxièmement, elle est belle. Subhanallah العظيم, il a dit, فهذا يغلب على ظني عدم الإجابة. Celui-là, il sait, à 90%, 95%, on ne va pas lui donner. Donc celui-là, il n'a pas le droit de faire la muqabala. Non, celui-là, il n'a pas le droit de faire la muqabala. Sauf si quoi? Sauf si on a parlé déjà au père, et le père a parlé déjà à la fille, et la fille a dit, moi, je m'en fous, je l'accepte, 75 ans, je ne vois pas cette condition. Naam, l'essentiel, c'est un homme. Ici, naam, il peut faire la muqabala. Mais si d'emblée, eux, ils attendaient quelqu'un de 25 ans, et voilà quelqu'un de 75 ans qui rentre. Naam, celui-là, yani, il n'a aucune chance, bi'idhna ta'ala, d'être accepté. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. فإن أصبت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي وإن شاء الله تعالى dans 10 minutes إن شاء الله تعالى on va répondre à vos questions. Ensuite j'aurai إن شاء الله تعالى deux choses à vous dire. Si j'oublie les deux choses, vous me rappelez. بارك الله فيكم. نعم. Si j'oublie les deux choses, vous me rappelez. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. بارك الله فيك أخت. طيب, on va mettre un peu le courant. طيب, où est-ce qu'il est? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On va commencer إن شاء الله تعالى. Regardez avec moi dans la salle s'il y a une sœur qui s'appelle comme ça, Oumia. Oum Yakout. Oum Yakout. Est-ce qu'il y a une sœur qui s'appelle dans la salle Oum Yakout? Regardez avec moi. Cherchez avec moi, c'est difficile. Naam, si vous la voyez, vous m'avertissez, Inch'Allah Ta'ala. J'attends votre réponse. Je la trouve. Alors, c'est qu'elle n'est pas dans la salle. Tayyib. Abou Mer, qu'est-ce que j'allais dire? Non. Moi, Tayyib, vous ne l'avez pas trouvé. Donc, le cas de cette sœur, je vais le dire. Ce qu'elle soit présente, bi'idhna ta'ala, jusqu'à ce qu'elle soit présente, bi'idhna ta'ala. Abou Mariam, peut-être dans 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je vais avoir une déconnexion. Parce que toujours vers les coups de minuit, je vais avoir une déconnexion. Tu prépares, Inch'Allah Ta'ala, si tu as du Coran ou quelque chose, hein, le temps que je rentre, car c'est un peu difficile pour rentrer. Ma'alish. Inch'Allah Ta'ala. Rien, autre chose. Abou Mariam, quand tu as écrit tout à l'heure, aux sœurs de descendre leurs mains. Non, pardon, pas aux sœurs, à tout le monde. Tu as dit, descendez vos mains, etc. Jazakallahu khair pour la bonne intention. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tout le monde a descendu sa main, ensuite d'autres ont levé leur main.
c'est-à-dire que ceux qui étaient en haut se sont trouvés en bas. C'est que d'autres ont levé la main. C'est pour ça que certains et certaines se sont plaints. Ils m'ont envoyé des plaintes. En quoi Abou Maryam doit payer un procès. Abou Maryam nous a fait descendre du haut en bas. La chose que j'avais à dire aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est que à partir de vendredi, inshallah ta'ala, j'ai une daura. J'ai une daura ici au Kuwait, une daura qui va durer une semaine. C'est-à-dire que je serai absent vendredi prochain, c'est-à-dire après demain. Je serai absent vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. La daura se termine vendredi à 23h de la nuit. Donc ne m'attendez pas jusqu'à samedi, pas celui-là, l'autre. Mais il y a une chose. Quand la daura se termine, la daura commence à 16h et se termine à 23h. Chaque jour, pendant une semaine, 7h. Quand ça se termine à 23h, quand je viens à la maison, il sera ici à peu près minuit, il sera chez vous 23h. Il est possible qu'on se retrouve seulement pour faire des rappels ou bien pour faire des questions-réponses ou bien rien comme ça pendant la semaine. Je n'aurai pas le temps de préparer les doros, c'est tout, parce que je serai vraiment fatigué. Et vous savez que maintenant, ma salle est toujours en Europe. Jusqu'à présent, je ne peux pas la changer pour la mettre en islam. Donc, ce n'est pas la peine de vous dire que vous me cherchez toujours dans cette salle. Non. Et il est possible que je puisse rentrer dans l'autre côté de l'islam. Ça, alhamdoulilah, si vous ne me trouvez pas ici, vous me trouvez là-bas, pas de problème. Mais pour faciliter les choses, vous mettez les deux rooms en quoi? En favorite. C'est pas la peine de me chercher où je suis. Vous cliquez directement sur favorite, ensuite vous voyez si je suis dans cette salle. Alhamdoulilah, sinon dans l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Donc si on se voit pendant la semaine, c'est quoi? C'est à partir de 23h. Et je serai absent, inchallah, c'est-à-dire c'est aujourd'hui le dernier dars jusqu'à samedi, pas celui-là, l'autre. Isa 83. Tafadlali, hayyak ar-Rahman. On commence par toi, inchallah ta'ala. Tafadlali. Et talibatu ilm, de temps en temps, tu regardes dans la salle. S'il y a Yaqut, c'est très urgent. S'il y a Yaqut, tu me le dis, inchallah ta'ala. Tayyib, Isa, écris mon numéro 1. Sinon, on passe à Salama. Peut-être que Isa est loin du PC. Peut-être qu'elle est en train. Elle est là. Alhamdulillah. Inch'Allah ta'ala, pose-nous ta question. Bi'idnillah azza wa jalla. Isa, tafadlali. Tu as pris un peu de temps. Tafadlali, jazakallahu khayran. Si tu peux pas, n'écris pas plus de 5 lignes. Barakallahu fik. 4 lignes et tu colles. 4 lignes et tu colles. Plus de 5 lignes, tu peux pas. Et je ne sais pas pourquoi Hadout al-Patok, pourquoi ils ont mis cette option comme quoi. Cette option comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont subhanallah al-Azim, ils n'ont pas voulu qu'on affiche comme ça une page. Ou là, je ne sais pas pourquoi. Normalement, ils auraient même donné l'option d'afficher une photo. Moi, je vais vous montrer une photo de quelqu'un, la position, comment qu'il fait lorsqu'il est incliné, etc. Pourquoi c'est interdit? Non. En PV, ça passe. Subhanallah al-Azim. En direct, ça passe. Non, subhanallah al-Azim. En PV, ça passe. Non. Pour ne pas perdre de temps. Esma. Pardon. Umu Salama. Umu Salama. Est-ce que tu es là, Inch'Allah? Umu Salama. Est-ce que tu es là? Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Je vous pose une petite question. Naam, est-ce qu'on peut donner un diminutif aux enfants de aux enfants X, Zakaria, Zaki, Hafsa, Hafsou. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas grave. Naam, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Abu Huraira. De temps en temps, il appelait Abahir. Abahir. Il continuait pas.
Et de temps en temps, il disait à Aïcha, Ya Aïch, Ya Aïch, au lieu de dire Ya Aïcha. Incha'Allah ta'ala, ce n'est pas grave. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Et on a pour dire Mohamed, non. Pour Mohamed, non. Pour Mohamed, naam, on ne dit pas Momo, naam, on ne dit pas Moh, on ne dit pas Moh, on ne dit pas Momo, on ne dit pas Mohouch. Naam, on dit Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Peut-être que si on évitait, les noms des prophètes en général, ça serait mieux peut-être. Naam, comme Zakaria, c'est un prophète. Naam. Naam. Mais Hafsa, etc., ce n'est pas grave, inshallah ta'ala. Naam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelé Aïch. Appelé Aïch. Naam. Si on acceptait les prénoms des prophètes sallallahu alayhi wa sallam par respect. Naam. Mais je ne connais pas quelqu'un qui a dit que c'est interdit. Je ne connais pas quelqu'un qui a dit que c'est interdit de dire Zaki à Zakaria. Je ne connais pas quelqu'un qui a dit que c'est interdit. Naam. Tayyib. Umm Isa a toujours des problèmes. Umm Isa essaye de donner. Fiki barakallah. Umm Isa, voilà, je t'ouvre le PV. Donne-moi ta question ici. Donne-moi ta question ici. Tayyib. Maintenant, c'est elle qui a fermé son PV. Malish. Abu Salah Ad-Din. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Que doit faire une sœur dont le mari ne fait pas la salat, insulte la religion, se comporte très mal avec elle, la trompe, veut prendre une deuxième femme et menace de lui prendre ses enfants si jamais elle divorce. Barakallahu fikum. Naam. Il y a ici deux choses très séparées. La première chose, c'est qu'il ne fait pas la salat, etc., ensuite la religion, etc., il se comporte mal avec elle. La deuxième, les menaces. Il lui menace de lui prendre les enfants si elle divorce, etc. Ça rentre beaucoup plus à faire tribunal que fatwa. C'est beaucoup plus à faire tribunal, bien sûr, si c'est un tribunal musulman. Que fais-toi? Mais une femme dont le mari ne fait pas la salat, et ensuite la religion, etc., elle a le droit de demander la séparation. Non, elle a le droit, je te parle, ce que dit l'islam. Maintenant, quand il menace, etc., ça c'est question de quoi? De tribunal, etc. C'est pour ça que plusieurs sœurs m'envoient des lettres, qui, si je puis dire, sont beaucoup plus, le problème est beaucoup plus familial que religieux. Familial, naam. Elle me dit par exemple, mon mari par exemple, me frappe, ou la veille la nuit, ou là il fait ceci, ou là. Yani, qu'est-ce que je fais? Ça c'est plutôt familial. Il faut faire venir ta famille, essayer de trouver une solution. Car tu ne m'as pas demandé, est-ce que c'est permis par exemple de se séparer ou pas? Là je t'aurais répondu ce que dit l'islam. Est-ce que c'est permis de divorcer ou pas? Je t'aurais répondu. Mais si c'est quelque chose de familial, il me frappe, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, elle dit c'est entre toi et la famille. Qu'est-ce que tu veux moi que je dise? Je ne peux rien faire. Je peux te faire des douas et tout. Non. Ici la même chose. Une femme dont le mari ne fait pas la salat ou l'insulte la religion, etc., se comporte très mal avec elle, elle a le droit de demander le divorce. Ou bien le divorce, ou bien la séparation. C'est-à-dire elle lui rend la dot, le khula, ou bien l'annulation. Elle lui dit, viens, on annule le mariage. Ça s'appelle le fesr. Naam. Tout cela lui est permis par l'islam. Si elle sait qu'elle ne peut pas patienter avec lui et qu'elle régresse dans la foi et qu'elle n'apprend rien dans le dîn et qu'elle revient marche arrière. Naam. Mais, maintenant, s'il lui dit, je te prends les enfants, etc., je ne peux pas lui répondre. Car ça, c'est le ressort du tribunal. C'est le tribunal musulman, bien sûr, qui le force à ce qu'il te donne des enfants, etc. Parce que la hadana, c'est-à-dire celui qui prend les enfants quand il y a un divorce, c'est le plus pieux. C'est le plus pieux. Naam, le plus pieux ici, c'est la mère. Parce que lui, il ne fait pas la prière, etc. C'est pour ça que les enfants reviennent à elle. Naam. Comme a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah, Yirahmou. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour la réponse. Je t'ai dit ce que dit le din, maintenant, reste ce que va prendre yani, le tribunal musulman comme
comme يعني, décision. Maintenant, en France, je ne sais pas comment cela se passe. Toi, tu dis cela se passe en France. Je ne sais pas les lois des kuffars, comment qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent. Dans ce cas, comment ils jugent. Car on ne doit pas avoir, yani, on ne doit pas avoir recours au tribunal qui n'est pas musulman. Naam, qui n'est pas musulman. Sauf quand c'est question seulement de papier. Seulement de papier. Je vais inscrire seulement quelque chose sur un papier. Mais le tribunal kuffar ne peut jamais ni me marier ni me divorcer. Naam. Je voudrais, si elle doit malgré toutes les menaces divorcer par rapport à les par rapport à la religion. Naam, par rapport à la religion, j'ai dit. Si c'est quelqu'un qui la frappe et qui la menace et qui insulte la religion, etc., elle est permis. Naam, il lui est permis de demander le divorce. Allah Ta'ala dit wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala a ordonné aux hommes qu'ils soient bien avec leur femme quand ils se marient avec elle dans le comportement. Il n'a pas dit depuis que tu rentres, tu insultes, tu rentres en insultant et tu sors en insultant. Il n'a pas dit comme ça Allah subhanahu wa ta'ala. La femme a un cœur, c'est une personne qui a été créée comme l'homme. Elle a un cœur qui sent des choses. Elle a un cœur qui se blesse. La femme pleure, la femme tombe malade, la femme, naam, elle a le droit de choisir un homme avec lequel elle vit heureuse. Pourquoi qu'elle vivrait avec quelqu'un qui, le matin au soir, passe son temps à insulter, à menacer, à ceci, à cela. Naam. Elle lui dit, on n'est pas dans le même chemin, on se comprend plus, etc. Faisons quelque chose à l'amiable. À l'amiable, on se sépare. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib, Abu Salah al-Din, tafadlal. Fiki barakallah. Fais la salat de la consultation. Umaysa, fais la salat de la consultation. Bi'idhnillah. Pouvez-vous nous éclaircir sur le fait que d'après des savants qui ont déduit le hadith du prophète sallam qu'il serait permis de voir plus que les mains le visage de la femme demandée en mariage. Barakallahu fik, cher. Naam. Ceux qui ont dit qu'il était permis de voir plus que la main et le visage sont ou bien des zahirites comme Ibn Hazm rahimahullah qui a dit que il est permis au prétendant de voir la prétendante nue. Il a dit si elle est nue, il est permis de la voir. Astaghfirullah. Naam, hada, il a exagéré. Ou bien d'autres qui ont dit quoi? Alaykoum salam. D'autres qui ont dit que, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un peut voir ce qui le pousse à l'épouser, qu'il le fasse. Ils ont dit, voilà, le hadith a dit, s'il peut voir, qu'il le fasse. Donc, qu'il voit, il voit donc les mains, les jambes, etc., etc. Mais en fin de compte, si vous méditez bien le hadith, qu'a dit le hadith? Il a dit, s'il peut voir, il n'a pas dit à la femme, montre-lui. Il a dit, s'il peut voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas voir. Ça veut dire que la base, il ne peut pas voir. C'est ça la base. Mais s'il peut voir, qu'il dise Alhamdoulilah, qu'il remercie Allah qui l'a aidé. Mais en base, ça veut dire quoi? Le hadith est contre. Le hadith donc dit qu'il n'est pas possible. Naam, il n'est pas possible. Il ne peut voir que le visage et les mains qu'on peut voir de coutume. Mais s'il peut voir, il va faire des efforts, il va se cacher, il va la suivre, il va monter sur la terrasse, il va acheter des jumelles, il va je ne sais pas quoi, il va se cacher. Et la voir, ah s'il peut, maintenant qu'il voit plus que cela. Naam. Et je ne connais pas un grand savant, peut-être que mes lectures et les choses que j'ai lues ne sont pas beaucoup, mais je ne connais pas un grand savant qui a dit par exemple qu'il pouvait voir par exemple plus, il pouvait voir yani, ses cheveux, etc., etc., à part que Ibn Hazm, je viens de le citer. Naam. Et ceux qui ont dit que c'était permis, ils n'ont pas donné un dalil. Il n'y a pas un dalil comme ça, clair et sahih, qui permette au prétendant, qui est un étranger par rapport à la femme, de voir ses cheveux, etc. Il n'y a pas un dalil. Et celui qui a un dalil, et qui est avec nous dans la salle, ou qui connaît un dalil, qui nous le ramène? Vous savez pourquoi il nous le ramène?
ça nous ferait beaucoup plaisir, moi personnellement, que je sache, yani, s'ils ont par exemple un dalil sahih. Comme ça, au moins, lorsque je fais des dolos aux gens, au moins, yani, je me base sur le hadith. Je dis, certes, il est permis de voir les cheveux, etc. Mais voilà le hadith qui le permet. Voilà le verset. Si vous trouvez quelque chose, apprenez-le moi, barakallahu fikoum, vous aurez, inshallah ta'ala, les ajr. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Emir Salafi, tafadhal. Tayyib, est-ce que tu es là, Emir? Est-ce que tu es là? Alaykoum salam. Quel est le jugement de celui qui conclut un mariage avec la femme de son père sans contrainte? Tayyib, attends un peu que je comprenne. Quel est le jugement de celui qui conclut un mariage avec la femme de son père sans contrainte? Emir Salafi, il savait que c'était la femme de son père ou il ne savait pas? J'attends la réponse, inshallah ta'ala. Il savait. Naam, il le savait. Celui-là, naam, son jugement, c'est que, très bien même, naam, son jugement, c'est de mourir. Naam, son jugement, c'est de porter plainte contre lui au tribunal musulman. Et le tribunal musulman, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va, bi'idna ta'ala, yuqimu al-hadd 'alayh. Naam. Il n'est pas kafir, mais il a fait un grand péché qui, yani son had, c'est quoi? C'est qu'il doit mourir, naam, à cause d'avoir fait ce grand péché. Naam. Mais s'il ne dit pas avec sa bouche que c'est licite, ça ne fait rien. Il a dit avec ses actions que c'est licite. Car le fait de dire une chose illicite, ou bien on l'a dit avec la bouche, ça s'appelle tahlil, yani l'i'tiqadi, ou bien on l'a dit avec les actions, ça s'appelle tahlil, naam, ça s'appelle tahlil al-amali, comme dit Cheikh al-Albani rahmou. Quand il dit avec sa bouche, c'est kafir, et quand il dit pas avec sa bouche, il fait seulement avec les actions, il se marie, etc. C'est quoi? C'est le had, on lui fait le had. Le contrat suffit? Comment le contrat suffit? J'ai pas compris. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire le contrat suffit? Pour se marier, c'est quoi le contrat suffit? Assalamu alaikum. Naam. Tesma'ounani? Fais saut. Tayyib, fais saut, Abu Marim. Tayyib. Ahsan Allah ilayk. Cherchez avec moi dans la liste si Emir Salafi il est là ou là s'il est sorti. Ah, il est là, alhamdoulilah, il est là. Tayyib. Bon, je m'excuse pour la déconnexion à l'aller. Et j'ai profité, alhamdoulilah, pour ne pas perdre de temps, tout en essayant de me connecter, j'ai jeté un coup d'œil sur le hadith. Naam. Le hadith est sahih, il est dans Sunan Abi Daoud, et même Fath al-Bari l'a ramené, rapporté dans Sahih Bukhari, il l'a ramené là-bas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un qui avait épousé la femme de son père, et il lui a dit tu frappes son cou et tu prends son argent. Naam. J'ai vu que l'imam Ahmed a dit je marche avec l'apparence de ce hadith, c'est à dire que quiconque épouse la femme de son père, il a le même châtiment. Et la plupart des ulama ont dit que il a ce châtiment à condition de dire que quoi? De dire que ce que je fais est illicite. C'est-à-dire, la plupart sont partis pour dire que on le tue, etc. Car il est devenu mort. Il a dit ceci est licite. Il a dit dans son cœur, il peut le dire dans son cœur, cette chose c'est illicite, je la fais. Et Imam Ahmed, rahimahullah, a dit je marche avec. Naam, avec l'apparence que s'il fait cela, yani, je lui fais le même châtiment sans qu'il soit obligé de le dire. A servi à rendre son acte lisse avec son cœur. Si la croyance est interdite, il aurait simplement communiqué et pas établi le contrat de mariage. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il y a la profession du feu ou c'est autre chose? Wasmak, Emir Salafi, il n'y a pas de. Comment dirais-je? Il n'y a pas de. Attends, comment on est? Ce n'est pas forcé que le fait qu'il fasse le contrat de mariage, c'est un dalil qu'il fait l'istihlal. Je te donne un exemple.
Je sais, moi, par exemple, que, par exemple, il m'est impossible, il m'est haram d'épouser deux sœurs. Tout le monde sait cela. Il est haram d'épouser deux sœurs en même temps. Naam. Moi, dans mon cœur, je sais que c'est haram. Mais je fais le papier parce qu'on me le demande. C'est une chose maintenant obligatoire. Je fais le papier, mais dans mon cœur, c'est toujours haram. Moi, je le fais juste pour me marier. J'ai des tentations avec cette femme, classe. Il faut que je me marie avec elle. Je ne vois plus devant moi. J'ai des tentations m'ont gagné. Mais je sais dans mon cœur que ça, c'est haram et que je vais mourir, c'est grave, etc. Naam. Donc, de toute façon, ce qui nous intéresse plus ici, c'est quoi? C'est qu'il a fait un grand péché. Que ça soit kouf ou pas, il a fait un grand péché. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, nis'Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Nis'Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Une personne comme celle-là, c'est vraiment, 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 yani, si elle a la foi, elle est très faible dans son cœur. Si cette personne a la foi, yani, elle est vraiment très faible dans son cœur. Nis'Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. الأخت سلفية تفضلي. يفترضوني في quelqu'un qui a fait un grand péché. نعم. Il a ordonné de tuer quelqu'un qui a fait un grand péché. نعم. Il a ordonné de tuer celui qui fait la fornication s'il est marié. S'il est marié, on doit tuer quelqu'un qui a fait la fornication, par exemple. نعم. Et la plupart des ulama disent qu'on tue, celui qui fait la sorcellerie. Celui qui fait la sorcellerie. Ils ont dit, si les musulmans, on le tue. Surtout si la sorcellerie a un rapport avec les djinns et les shirks. Ils ont dit, si les musulmans. Si les kafirs, non. La différence, c'est quoi? Si les mécréants, si on le tuait, on le tuerait alors pour sa mécréance. Pourquoi on va le tuer à cause de la sorcellerie? Mais le musulman dit, c'est haram et il le fait. C'est pour ça que c'est grave. Non. Quand on ne tue pas autour des grands péchés, on n'est pas des khawarij. C'est donc du kouf, cher, car on ne tue pas l'auteur d'un grand péché, on ne tue pas l'auteur d'un grand péché. Aimé Salafi, lorsqu'il y a des hadiths qui disent que quelqu'un qui fait un grand péché, on le tue, comme la fornication, il y a des versets, etc., que quelqu'un, s'il est marié, il a fait la fornication, même s'il dit c'est halal, il doit être tué, il doit être lapidé jusqu'à la mort. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait seulement un péché. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de celui qui boit l'alcool, il a dit, s'il refait la quatrième fois, il boit l'alcool, il a dit, tuez-le. Le hadith se trouve dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani. Tu vois, celui-là n'a fait qu'un grand péché. Il n'a pas dit l'alcool est halal. Mais puisqu'il l'a fait, il a fait cette chose la quatrième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tuez-le. Et la même chose pour la sorcellerie. La plupart des ulama disent s'il est musulman et il a fait la sorcellerie et que sa sorcellerie a un rapport avec les djinns, etc., on doit le tuer. Naam. Quant au kafir, si on le tuait, on le tuerait alors pour sa mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tué l'Ubayd ibn al-Asam. Il ne l'a pas tué le juif qui lui a fait la sorcellerie. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ukhsalafiyya tafadhali. Non, on ne peut pas lapider. On ne peut pas lapider, émir, parce qu'on a un hadith. On a un hadith qui dit que celui qui fait la fornication avec une femme normale, on le lapide, et s'il fait avec la femme de son père, on le tue. Ce n'est pas nous qui choisissons, émir salafi. Ce n'est pas nous qui choisissons. Nous, on a le Coran et la Sunna. C'est Allah ta'ala et son prophète qui choisissent. Ils ont dit, s'il fait la fornication avec une femme étrangère, il meurt lapidé. S'il l'a fait avec sa femme, avec la femme de son père, il meurt d'une autre façon. Naam. Tayyib. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Allahu barakatuh wa maghfiratuh. Est-il permis à une sœur de demander comme dot le fait d'effectuer le hajj ou bien la umrah? Donc une dot différée. Et ce malgré le coût assez important, mais dont la niya n'est pas en rapport avec sa valeur, mais plutôt pour que ce soit une garantie, que ce soit accompli, inshallah, barakallahu fikum. Naam, il est permis à une sœur de demander comme dot, quoi, qu'il lui fasse le hajj, par exemple, ou la umra, ou bien de lui acheter des livres de din. Mais dans ce cas, elle doit quoi? Elle doit
يعني elle doit citer quels sont les livres. نعم, quels sont les livres. Et moi, quand je me suis marié avec ma femme, elle m'a demandé un tafsir. Je me rappelle, elle m'a demandé un tafsir. Je lui ai acheté un tafsir qui faisait à l'époque de 4 tomes. C'était la dot de Om Abdillah. Naam. طيب, Inch'Allah ta'ala, quand on va arriver à la dot, vous allez entendre beaucoup de nouvelles choses, Inch'Allah ta'ala. Beaucoup de nouvelles choses. Mais dans ce cas, au Salafia, dans ce cas, si elle demande le Hajj ou bien la Umra, il faudrait qu'elle lui précise. Naam, je demande le Hajj ou la Umra, par exemple, que ça soit dans telle année, par exemple. Naam, ou bien entre cette année X et l'année Y. Et comme ça. Sinon, il peut lui dire toujours Inch'Allah l'année prochaine, Inch'Allah l'année prochaine, Inch'Allah, elle ne pourra pas parler, Inch'Allah l'année prochaine, Inch'Allah, dans 20 ans, 30 ans, etc. Naam, il faut qu'elle dise, ma dot c'est Umra, cette année, ou bien la deuxième année, ou bien la troisième année, comme ça. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Abu Kamila, tafadhal. Abu Maryam, jazakallahu ta'ala khayran. Regardons la liste, il y a une sœur qui s'appelle Yaqut. Yaqut. Regardons la liste. Yaqut. Abu Kamila, jazakumullahu khayran pour Odoros. Mais j'ai une question hors sujet. Ici, on a un cimetière de Kofar. Et dans ce cimetière, il y a un endroit pour les musulmans. Est-ce licite ou pas? Peut-on faire la prière du mort dans le cimetière à côté des tombes musulmans? Les femmes peuvent-elles? Tu n'as pas terminé la question, Abu Kamila, termine. Les femmes peuvent-elles venir à l'enterrement en restant à l'arrière? Peuvent-elles faire la prière derrière les hommes? Astaghfirullah wa tawbouli. D'accord, Abu Maryam. En ce qui concerne quelqu'un qui meurt dans un pays comme en Europe, et on m'avait appris, ça fait seulement une semaine, que subhanallah al-adhim, en Europe, quand quelqu'un mourait, si on l'enterrait là-bas, on devait payer, subhanallah al-adhim. Et que si on ne paye pas, on risque de faire sortir son corps et de l'incinérer. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Dans ce cas, na'am, il est mieux, na'am, il est préférable, il est même conseillé. Il est conseillé d'essayer de faire le possible pour rapatrier le corps, pour qu'il ne soit pas enterré dans un pays où on risque de l'incinérer. Na'am. Et puis les gens ne sont pas obligés de payer à chaque fois à cause de lui. Quelqu'un, quand il meurt, je ne suis pas obligé de rester toute ma vie attaché à lui. Il faut que chaque année, je donne je ne sais pas combien. Je ne suis pas obligé. Il est mort, Allah yirhamo, khlas. Donc, pour des convertis. Non, pour des convertis, c'est des problèmes. C'est ça le mouchkila. Mais pour des convertis, je crois pas qu'on fasse sortir leur corps et on les incinère. Je crois pas. Parce que c'est un Français. Il a le droit d'être enterré en France. Je ne crois pas qu'on sorte son corps. Allah subhanahu wa ta'ala, je ne crois pas. Quant à faire la prière à l'intérieur d'un cimetière, il vaut mieux ne pas la faire. Même si c'est loin des tombes. S'il y a un mur qui entoure le cimetière, donc il ne faut pas faire la prière à l'intérieur. Il faut la faire à l'extérieur, dans un moussalla. Sauf si on fait la prière de l'absent. Naam, la prière de l'absent. Quand tu vas, par exemple, chez toi, dans ton pays, on te dit, l'aqdallah, on te dit, par exemple, ton grand-père est mort. Tu peux partir alors au cimetière et faire la prière du mort sur lui. Yani, il est dans sa tombe. Mais faire la prière du mort alors que le mort est encore dans le linceul, je ne sais pas comment il s'appelle, on ne l'a pas encore enterré, là on ne peut pas faire cette prière dans la tombe. Non, on ne peut pas faire. Et encore pire, si on va faire la prière de obligatoire, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, etc., dans le cimetière, devant les tombes. Ça c'est encore rien, c'est plus grave. Non, c'est plus grave que la salat du mort. Autre chose, les femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a déconseillé qu'elles suivent le janaza, je ne sais pas comment on dit en français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé aux femmes qu'elles suivent le mort quand ils sont en train de le guider
de la cheminée, naam, le cortège. Barakallahu fik. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit la compagnon, radiallahu ta'ala anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nahana an tiba' al-janaiz, wa lam ya'zim alayna. C'est-à-dire, il nous a conseillé, mais il n'a pas trop insisté. Il n'a pas trop insisté, et pardon, il nous a déconseillé. Mais il n'a pas trop insisté, yani, si on le fait, c'est makruh. Naam, si les femmes suivent le cortège, yani, c'est makruh. Il n'a pas très insisté pour le déconseil. Naam, mais de préférence, la femme ne suit pas le cortège. Mais la femme peut faire la prière sur l'homme. Si on fait la prière sur l'homme, naam, par exemple dans la mosquée, car il est possible de la faire dans la mosquée, or, les hommes en avant et les femmes derrière. Naam, les hommes en avant et les femmes derrière. Sa'd ibn Abi Waqas a fait la prière sur, yani, pardon, Aisha radiallahu ta'ala anha a fait au moins deux prières sur les morts dans la mosquée. C'était deux frères qui sont morts. Naam, elle a fait la prière sur eux, mais derrière les mosquées, derrière les rangs, bi'idhnillahi ta'ala. Donc je ne fais plus la prière d'un mort là-bas. Ne la fais pas à l'intérieur, naam. Ne la fais pas à l'intérieur du cimetière. La prière de la mort, on dépose le mort dehors, pas dans le cimetière. À l'extérieur, on fait la prière sur lui et on rentre, en le prenant sur nos épaules, on rentre dedans, aller au cimetière. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Khadj. Tafadlali. Ici, mon numéro 1, celui-là. Cheikh, un frère me dit que pour les kuffars aussi, s'ils ne payaient pas une incinère, subhanallah al-azim. Ils n'ont même pas, yani, ils ont même pas yani, la rahma dans leur cœur, même entre eux, subhanallah al-azim. Hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Tayyib, j'ai dit donc, si quelqu'un meurt et qu'il a les moyens d'être rapatrié, qu'il le fasse. Maintenant, si c'est un reconverti, si c'est un reconverti, c'est un peu difficile. Pourquoi ? Parce que dans quel pays va-t-on l'accepter ? Je ne sais pas si on l'accepte de l'enterrer dans un autre pays. Je ne sais pas. Donc il faudrait qu'il fasse des démarches pour voir si c'est possible qu'il soit accepté. Je pense, Allah Ta'ala, même s'il a des papiers avec lui, etc., on peut l'enterrer. Il montre ses papiers comme quoi c'est un musulman, il ne peut pas être enterré en France. Je pense que le pays comme l'Algérie ou là, l'acceptera bi-idhnillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Khadj, tu as posé ta question. Salam alaikum. Il y a une sœur qui demande quel rôle joue la femme dans la relation intime. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle doit faire pour faire plaisir à son mari. J'ai une autre question en privé. S'il vous plaît, barakallahu fik. Naam, je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle doit faire pour faire plaisir à son mari. Naam. Quel rôle joue la femme dans la relation intime? Naam, elle joue le rôle de la femme. Elle joue le rôle de la femme tout en restant dans les normes islamiques. Tout en restant dans les normes islamiques. Elle ne permettra pas à son mari, par exemple, qu'il fasse avec elle le rapport quand elle a les menstrues, quitte à divorcer. Et elle ne lui permet pas qu'il fasse, par exemple, ce qu'on appelle le coït anal, c'est-à-dire par derrière, quitte à ce qu'il la divorce. Naam, quitte à ce qu'il la divorce. Et les autres choses qui sont halal, qu'elle les fasse. Les autres choses qui sont halal, qu'elle les fasse. Elle ne doit pas seulement faire le haram, bi-idhnillahi ta'ala. Tayyib, je t'ouvre mon PV pour écrire ta question privée. Tafadlali, le temps que je réponde, inshallah ta'ala, aux autres. Et mes salafis chers, désolé de beaucoup plus, je dois aller prier l'Aïcha. Tafadlal, y a-t-il possibilité de nous entretenir un jour où vous n'avez pas grand chose à faire, inshallah, car j'ai toujours le même problème, pas bien. Inshallah ta'ala, quand je n'ai pas beaucoup de choses à faire, inshallah ta'ala, on se rencontre. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abdul Nasser, tafadlal, barakallahu fik, hayyak al-Rahman, tafadlal. Khadj, dis-moi, est-ce que tu as reçu mon PV? Il est ouvert, est-ce que tu l'as reçu? Je t'ai envoyé quelque chose, est-ce que tu as reçu? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Peut-on faire Muqabala
D'accord, alors j'attends ta question. Peut-on faire muqabala en présence de la mère si le père et le frère refusent? Est-ce que le cheikh peut répondre aussi à la question de la sœur la semaine dernière sur le sitar par rapport au mari, barakallahu fik? Naam, je vais répondre, inshallah ta'ala. Tayyib, peut-on faire muqabala en présence de la mère si le père et le frère refusent? Naam. La mère n'est pas un mahram. La mère n'est pas un mahram. Il faudrait par exemple qu'il y ait un mahram ou au moins disons que la mère ramène avec elle par exemple un cousin. Naam, il faut qu'il y ait un homme avec eux. La mère, parce qu'il y a un homme qui va venir, subhanallah. Donc la mère, au moins, elle ramène un cousin, etc. Mais ce qui n'est pas bien, c'est quoi? C'est que le mari risque de savoir et le frère risque de savoir. Ensuite, mère Hadi et sa fille risquent d'avoir des problèmes. Naam, au frère Abdelmalik Ramadan, je lui ai dit, il y a une sœur qui voudrait faire muqabala. Est-ce qu'il est possible qu'on la voie, que le prétendant la voie chez des amis, par exemple? Elle va chez une amie à elle, et son amie à elle à son mari, et son mari fait venir cet homme, Inna Ta'ala. Il a répondu que, Inch'Allah Ta'ala, c'était possible. L'essentiel, c'est quoi? Il n'y a pas la khalwa. Il n'y a pas la khalwa. Elle va chez une amie, et son amie, elle est mariée, son mari ramène le prétendant. Et il ne reste pas en tête à tête. Ils sont maintenant quatre dans la chambre. Il ne reste pas tête à tête. Ça, c'est quand, par exemple, le père est du genre qui ne permet pas qu'on voit sa fille. Ou là, yani, les frères ne permettent pas. Et comme ça. Parce que personne ne peut lui enlever quelque chose que Allah Ta'ala a donné. Mais elle doit le faire dans les normes. Inch'Allah Ta'ala. Quant au sitar, la question, je l'ai posée justement aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai posé la question au frère Abdelmalik Ramadani, hafidhahullah, sur la femme qui est de l'avis de Cheikh Al-Albani, qu'elle peut montrer son visage et ses mains, mais son mari est du genre qui dit qu'il faut qu'elle mette le niqab. Il a répondu, hafidhahullah, que dans ce cas, elle devait obéir à son mari. Naam. Car, comme moi aussi je lui ai dit, car elle n'est pas maintenant seule. Si elle était seule, non mariée, elle serait libre. Maintenant, elle s'est mariée et elle a choisi quelqu'un qui dit que le niqab est obligatoire. Donc, elle est obligée d'obéir à son mari et de mettre le niqab bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Média 85. Naam. Média 85. L'akh ou bien la sœur. Si vous êtes de Média, vous m'écrivez numéro 1. Naam. Ça, c'est pour commencer. Naam. Deuxièmement, est-ce que vous êtes maintenant à Média? Maintenant, vous m'écrivez de Média ou là? Non. Non. J'allais poser une question à Marseille. Classe. Donc, sûrement, vous ne connaissez pas toutes les familles de Média. Sûrement, si vous êtes né à Marseille, etc. Classe. Taïb. Inch'Allah ta'ala, c'est quoi la question? Allahu a'lam, naam. Allahu a'lam. Moi, je ne vois pas, Ousmane. Je ne vois pas la question de la ourte. Est-ce que vous voyez la question de la ourte? Je ne la vois pas. Taïb, plusieurs femmes on demandait ma fille, mais ça n'aboutit jamais. Soit c'est elle qui refuse, soit eux. Naam, si tu as terminé la question, tu écris numéro 1. Taïb, la sœur que je cherchais, je la vois maintenant, je la vois. Comment qu'on dit? Elle n'est pas dans la salle, mais elle est connectée. Je vais l'inviter, inshallah ta'ala. Naam, je vais l'inviter, inshallah ta'ala. Je ne sais pas si elle peut rentrer, si elle sait rentrer. Toi aussi, alhamdoulilah. طيب، plusieurs
Plusieurs frères ont demandé ma fille, mais ça n'aboutit jamais. Soit c'est qui refuse, soit c'est eux. Dois-je faire ruqya comme conseillez-vous? Naam, il est possible de faire une ruqya. Naam, car il est possible qu'on lui ait fait. Il est possible qu'on lui ait fait quelque chose pour que, à chaque fois qu'elle voit la personne, elle ne lui plaît pas et elle trouve des excuses, ou bien le contraire. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il la voit, et si elle veut lui plaire, il y a le shaitan qui va la lui montrer, il y en a très moche, etc. Naam. Tu peux, inshallah ta'ala, lui faire une ruqya et avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que si c'est écrit qu'elle doit se marier, personne ne peut, il y en a, personne ne peut lui enlever le mari. Naam, le mari qui est écrit, personne ne peut le lui enlever. Bidna ta'ala. Mais inshallah ta'ala, fais ruqya. Tu ne peux rien. Bidna ta'ala. D'autre part, j'ai une question au sujet. Puis-je travailler chez moi en tant que couturière? Naam. Talibatouen, écris à la sœur, j'ai pas le temps. Écris à Oum Yaqout. Et envoie-lui un. Comment ça s'appelle là? Send IM, écris-lui, dis-lui que voilà comment qu'elle fait, etc. Moi je sais pas, ah d'accord, moi je sais, dis-lui que je la cherche. Taïb, qu'est-ce que je veux? Naam, l'interdit. Ah, sachant que la loi française l'interdit. Naam, de toute façon, quand on vit dans un pays, je suis mutahadjibat. Mais en même temps, je suis mutahadjibat. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis mutahadjibat? J'ai pas compris. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire, je suis mutahadjibat. Et je ne peux pas travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, naam. Naam, voilé. Je suis voilé. Ah, j'ai compris. Naam. En principe, naam, en principe, quand quelqu'un et dans un pays, naam, où il a accepté leur loi, il doit yani, ne pas transgresser leur loi. Naam, même si c'est un kafir. Un kafir, quand tu fais avec lui un pacte, tu ne peux pas transgresser. Car ce n'est pas tu obéis au kafir, mais tu obéis à Allah. Naam. Fa'in istaqamu lakum fastaqimu lahum. Naam. Mais quand quelqu'un est dans le besoin, maintenant, si je n'ai plus comment faire entrer l'argent, je ne vais pas mourir. Naam, je ne vais pas rester dans la rue et donner, yani, demander aux gens de me donner l'argent. Dans ce cas, je fais la chose seulement, ce n'est pas pour m'enrichir, mais pour, par nécessité. Naam, je fais la chose par nécessité et non pas pour m'enrichir. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, il n'a pas d'où faire entrer l'argent, etc. S'il le fait, il le fait par nécessité, c'est tout. Il ne le fait pas, comme j'ai dit, pour s'enrichir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. C'est déconnecté. Inch'Allah, peut-être ta'ala qu'elle va revenir. On m'a dit de vous dire, ne pas oublier que le frère Absouna doit vous poser une question en PV. Wasmak, Abu Mariam, si ça n'a pas question avec le cours, c'est après, Inch'Allah ta'ala. Si ça n'a pas question avec le cours, après. Naam. Abu Balqis, j'attends Inch'Allah ta question. Assalamu alaikum. Cheikh, est-il autorisé en islam de faire de la chirurgie esthétique pour la femme, pour arranger ou embellir, ce qu'une grossesse ou allaitement ont abîmé? Barakallahu fik, Cheikh. Naam. Ce que je sais comme règle générale, que la chirurgie esthétique est permise en islam conseil pour enlever un défaut et non pas pour embellir une personne qui a un défaut. Naam. Même par exemple, disons son nez est très gros, par exemple, de façon à ce que quand il marche dans la rue, on rit de lui, etc. Celui-là, il a un défaut. Il va faire la chirurgie, non pas pour s'embellir, mais pour enlever le défaut. Quelqu'un a fait un accident de voiture. Il est maintenant tout cicatrisé. Sa bouche est complètement à droite. Son nez à gauche.
celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la chirurgie. C'est pas pour, parce qu'il veut devenir beau. Il veut enlever quoi? Le défaut qu'il a. Il veut enlever le défaut qu'il a. Maintenant, quand cette femme a, yani, qu'est-ce qu'il dit ici? Non, quand cette femme va faire cette chirurgie ici, esthétique, non, à cause des grossesses, etc. Est-ce qu'elle veut enlever les défauts maintenant qu'elle a, ou là elle veut embellir? Non, si c'est parce qu'elle veut enlever les défauts, il serait permis, inshallah ta'ala. Non, mais si une femme comme ça, toute seule, elle voudrait s'embellir en faisant de l'esthétique, elle rentre dans quoi? Dans terrier khalq Allah subhanahu wa ta'ala. Elle rentre dans terrier khalq Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faudrait bien voir, est-ce que veut-elle, ici? Elle veut s'embellir ou elle a des défauts? Non. Et pour être plus sûr, je vais l'écrire. Y a-t-il une adresse et moi pour vos problèmes personnels? Naam, Abu Balqis. Oumma Ousma, Oumma Abdillah, elle va te donner l'adresse. Et Inch'Allah ta'ala, tu m'écris. Et moi, si je peux te répondre, je peux. Sinon, je t'envoie, je l'envoie à des gens qui ont de la science. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Chef. Et même pour celle-là, d'ailleurs, je vais la noter à la femme. La femme qui accouche, qui a des rides maintenant, et elle voudrait faire l'opération. Chirurgie esthétique. Naam, je vais te répondre, Inch'Allah ta'ala, pour te dire si c'est permis ou pas. Je te répondrai, Inch'Allah ta'ala. Il y a d'autres sortes, chirurgie esthétique et chirurgie réparatrice. Naam, c'est pour ça que... On m'a dit il y a d'autres sortes. Il y a la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Je crois que celle-là veut faire la chirurgie réparatrice. Parce qu'elle a des défauts, elle veut les enlever. Naam. Je crois ici, ce n'est pas pour s'embellir. C'est pour ça que, pour être plus sûr, moi, mon avis, c'est qu'elle peut. Mais pour être plus sûr, je voudrais demander. Car il me semble que ici, c'est un défaut qu'elle veut enlever. Elle a des défauts, après avoir accouché, elle a beaucoup de rides, etc. Il me semble que c'est un défaut qu'elle va enlever. Mais, pour être plus sûr, ne prenez pas de moi jusqu'à ce que je vous dise, Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois. Naam. Ayman, tafazali. Abu Belkis, écrivez-lui. Abdullah ou la talibat ou ilm, écrivez-lui l'adresse, si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, dites-moi. Salam alaikum, alaikum salam. Le cheikh Oubaid al-Jabiri, hafidhahullah, dans une fatwa. Tayyib, j'attends que tu termines, inshallah. Écris mon numéro 1 si tu as terminé. Le cheikh Oubaid al-Jabiri, hafidhahullah, dans une fatwa, a cité le hadith n'entrera pas au paradis. Celui dont Allah couvre le péché pendant la nuit et qui le matin venu va le révéler aux gens. Puis a dit que la femme ne doit pas révéler qu'elle n'était plus vierge, qu'elle ne devait rien dire. Mais profiter du fait qu'Allah a caché son péché aux gens. Si son mari l'interroge, elle doit jouer sur le mot en disant « C'est en m'amusant que ma virginité est partie, etc. » Pouvez-vous nous éclaircir sur ces points? Comment savoir comment un frère peut prétendre à préférer une fille vierge si celle-ci suit l'avis du cheikh Jabi Rahimallah et est-il en droit de poser la question à la Muqabala ou peut-elle décider de le dire quand même? Naam, Ayman, moi quand j'ai lu cette fatwa, moi je l'avais entendu avant que tu la dises maintenant, je l'avais entendu et j'ai trouvé un problème, Naam, le fait que s'il y a par exemple des frères qui font qu'en condition il faut qu'elle soit vierge, voyez, maintenant si elle va lui cacher, elle va dire je suis vierge, il va trouver qu'elle n'est pas vierge, ça va être un grand problème. Premièrement, elle a menti, elle a rusé, elle a triché. Troisièmement, c'est très grave quand il va trouver le contraire. Mais, le cheikh, que veut dire ici? Il veut dire que tu lui dis que tu n'es pas vierge, mais ce n'est pas obligé de lui dire que cette chose s'est passée, par exemple, entre moi et un homme. Elle peut dire, Naam, Yani, s'est passé des choses, etc., comme ça, je l'ai perdu en jouant, etc. Yani, en jouant, elle veut dire en jouant avec un homme, bien sûr, mais elle ne dit pas avec un homme. Elle joue sur les mots.
elle joue sur les mots. Naam. Pourquoi? Pour ne pas yani, dire une chose après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait caché. Allah subhanahu wa ta'ala s'attara, et bien maintenant elle va dire ceci, cela. Naam. Il vaut mieux qu'elle joue avec les mots, c'est mieux. Naam. J'ai entendu cette fatwa bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. De toute façon, moi ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait que ceux qui vivent en Europe prennent en considération cette chose. Et il faudrait qu'ils comprennent que la chose est comme ça, que tu le veuilles ou pas. La chose est comme ça, que tu le veuilles ou pas. Beaucoup de sœurs, etc., qui sont nées là-bas, et ont passé toute leur jeunesse dans l'autre côté. Et ont commencé à voir la lumière de l'islam qu'à partir de 20 ans, 22 ans et comme ça. Or, en Europe, pour qu'une femme jusqu'à 20 ans, 22 ans et ça soit toujours vierge, ce n'est pas facile à trouver. Quoi qu'il y en ait, mashallah, mais ce n'est pas, comme j'ai dit, facile à trouver partout. On n'en trouve pas partout. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il mette cette chose en gagner dans son esprit. Naam, dans son esprit que il est possible qu'elle ne soit pas vierge, etc. Naam. On fait ça dans l'époque d'ignorance. Naam. Une convertie qui a fait ça dans l'ignorance. Est-ce qu'une convertie sait que c'est haram ou là c'est halal ou là elle connaît ces choses? Elle ne connaît pas. Comment maintenant toi, tu vas lui faire quoi? Une condition qu'elle ne devait pas faire cela. Naam. Et même peut-être que les hommes, naam, là, je parle avant l'islam, naam, avant l'islam, la convertie a sûrement fait cette chose. Elle la faisait, elle n'y avait pas l'islam. Pour elle, il n'y a ni le halal ni le haram, voilà ce que je veux dire. Naam. Maintenant, n'oublie pas que si toi aussi tu poses cette condition, c'est que la sœur aussi peut te poser cette condition. La sœur peut te poser la condition, est-ce que toi, par exemple, tu n'as jamais fait le haram. Parce que tu n'as jamais fait le haram avant de faire la tawbah. C'est pour ça que il faut être assez souple, inshallah ta'ala. Il faut être assez souple et se dire que l'essentiel c'est quoi? La tawbah annule et efface tous les péchés qui ont été faits avant elle. Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tawbah annule donc tous les péchés qui ont été faits avant elle. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Ibn Khalil tafadhal. Naam, une heure au Kuwait. On va s'arrêter, inshallah ta'ala. Ibn Khalil tafadhal. Ensuite, je voudrais dire une chose. Naam. Salam alaikum, cher. Quelle est votre opinion sur les divorces des frères et des sœurs qui sont dans le minhaj? Quand il y a beaucoup de divorces, c'est inquiétant. Barakallahu fik. Naam, c'est très désolant. Naam. J'ai le cœur qui me fait mal. Naam. J'ai le cœur qui me fait mal quand j'apprends que un frère et une sœur sont dans le minhaj et, subhanallah l'adim, ils divorcent. Naam. Subhanallah l'adim. C'est une preuve que il y en a peut-être qui ne sont pas vraiment dans le minhaj. Ou que peut-être l'un des deux n'est pas vraiment dans le minhaj. Naam. L'un des deux. Ce n'est pas obligatoirement les deux, mais l'un des deux sûrement n'est pas dans le minhaj. Si les deux étaient dans le minhaj, ils ne penseraient pas beaucoup à cette chose. Ils penseraient beaucoup plus à apprendre la science et à avancer dans le din. Et alors ils s'excuseraient. Ils s'excuseraient dans beaucoup de choses. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yafraku mu'minun mu'mina. La yafraku mu'minun mu'mina. Fa in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Le prophète alayhi wa sallam a dit Un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste en elle quelque chose, disons quelque chose, une mauvaise habitude par exemple, il a dit elle en a d'autres qui sont belles, bonnes. Naam. Elle en a, yani, d'autres habitudes, mashallah, qui sont, yani, d'autres qualités. Pourquoi tu regardes seulement la mauvaise habitude qu'elle a? Pourquoi tu regardes seulement le défaut qu'elle a? As-tu oublié toutes les qualités qu'elle a? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas une balance? Pourquoi tu triches dans la balance? Tu te bases seulement sur le défaut et tu ne vois pas toutes les qualités qu'elle a. Naam. Tayyib. Donc, Allah yahdihom.
Allah subhanahu wa ta'ala qu'il joigne entre leurs cœurs. Naam. Maintenant, on vient de me rappeler que j'avais donné rendez-vous aujourd'hui, mercredi, à une personne qui devait m'attendre après. Naam. Après quoi? Après le paltok. Naam. Qui devait m'attendre en privé. Naam. Quel est le conseil que vous donnez pour le mariage réussi? Naam. Le conseil que je donne, c'est comme j'ai dit. Il faut qu'ils soient, inshallah ta'ala, les deux, qu'ils aient les mêmes conceptions. Le même mot de vie. Qu'ils se marient à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils se marient à cause de la religion. Naam. Et qu'ils choisissent bien le partenaire. Qu'ils choisissent bien le partenaire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Nasu ma'adin. Il a dit, les gens, ce sont des métaux. Il y a le métal d'or, il y a le métal d'argent. Choisis bien le partenaire. Ne te presse pas, ne te précipite pas. Tu as le temps, choisis bien bi'illah azza wa jal. Et il faut aussi avoir un cœur, une poitrine très large. Naam, ce n'est pas la première faute, je divorce. Naam, la première faute, le premier mois, je divorce. Ou bien c'est lui qui dit cela, ou bien c'est elle qui dit, classe. Il a commencé à travailler, maintenant il n'a pas trouvé de travail, je divorce. Classe. Je n'essaie pas d'endurer, de patienter. Là, je divorce. Ce n'est pas comme ça. Il faut avoir la poitrine assez large, inshallah ta'ala, pour accepter, pour endurer. Autre chose, une personne me dit dans une question, bon, je n'ai plus ici la question avec moi, elle dit que, par exemple, certaines femmes, surtout celles qui sont converties, pourquoi on fait la différence entre la convertie et l'autre? Parce que la convertie, quand elle était avant sa reconversion, elle ne connaissait pas l'islam, c'est-à-dire elle n'avait pas quelque chose qui s'appelait interdit. C'est pour ça qu'elle se permettait beaucoup de choses, bien sûr. Parce que pourquoi? Elle ne connaissait pas l'islam, elle n'était pas dans l'islam. Naam, c'est pour ça que quand elle se reconvertit, mashallah, elle commence à appliquer, vous trouvez la convertie des fois mieux que celle qui de sa naissance est musulmane. Cette personne dit que, par exemple, les convertis, etc., savent, puisque avant de devenir croyants, avant de rentrer en islam, elles faisaient le haram, etc., donc elles ont déjà l'expérience avec les hommes. Naam. Ou du moins certaines, pas toutes les converties, certaines. Elles ont déjà l'expérience avec certains hommes. C'est pour ça que maintenant, quand elles se marient, etc., Elles savent comment ravir l'époux, etc. Cette personne dit, alors que nous, les vierges, etc., c'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas d'expérience, etc. Naam. Et la réponse est très simple. Naam. Ce sont des choses, bi'idhna subhanahu wa ta'ala, qu'on apprend avec le mari. Ce sont des choses qu'on apprend avec le mari. Naam. Ce sont des choses, à chaque fois, à force. Par la suite, on a assez d'expérience dans cette chose. Mais toujours faut-il quoi? Essayer de rester toujours dans le halal. Essayer toujours de rester dans le halal. Naam, c'est ça l'essentiel. C'est de ne pas faire ce... C'est ce qu'on me dit. Naam, cherche dans la liste si elle est là. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est... De toute façon, je dis à celle qui m'a posé cette question... que bi'idhna ta'ala reste dans le halal. Naam, tout est permis dans le halal bi'idhna subhanahu wa ta'ala, pourvu que ce soit parce que j'ai cité ce que j'ai cité tout à l'heure. Et Allah subhanahu wa ta'ala te fera une solution et tu apprendras ces choses. Naam, tu apprendras ces choses. Et comme j'ai dit une fois, j'ai dit qu'il y a même certaines femmes qui sont mariées depuis certaines années. Et elles disent jusqu'à de nos jours, je n'ai par exemple jamais senti le plaisir. Naam. Elles ne savent même pas ce qu'est ce plaisir. Naam, ça existe. Chez des femmes qui n'ont jamais connu cette chose auparavant et qui, mariées, ne l'ont pas encore connue. Naam, c'est étonnant, mais c'est vrai. Il y a des femmes qui sont une année de mariage, 2 ans, et disent, j'ai jamais connu le plaisir. Naam, je fais ça par devoir, c'est tout. Là, ça devient donc le devoir de l'homme. Ça devient... obliger à l'homme qu'il fasse tout son possible pour que, comme lui, il atteint son plaisir, il faut qu'elle aussi,
elle atteigne son plaisir, c'est un devoir pour lui. C'est-à-dire, c'est quelque chose, il le fait par obligation. S'il ne le fait pas, il a des péchés. Ce n'est pas yani, il veut ou il ne veut pas. C'est un devoir. Il doit le faire comme elle, elle doit le faire. Naam. Comme lui, lorsqu'il la demande, elle ne se refuse pas. Elle aussi, lorsqu'il la demande, ou là, c'est elle qui le demande, il faudrait qu'il yani, insiste et endure jusqu'à bi'idna subhanahu wa ta'ala, elle arrive à son but. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, j'ai dit, ce sont des choses qui, inshallah ta'ala, s'apprennent. C'est l'homme qui apprend à sa femme, et comme ça, elle apprend bi'idna azza wa jalla. Tandis, je lui demande, où est-ce qu'elle est la soeur? Je lui demande d'abord si elle est là. Je lui demande d'abord si elle est là. Je vais lui écrire d'abord. Je lui enlève le point rouge.